Mais alors je suis dans les réunions pour dire qu'ils souffrent des fois que ça. Ils n'ont qu'à venir à l'église, hein? Parce que ceux de l'église ne cherchent pas les sons. Quand vous êtes à la maison, souffrez de ne pas écouter. D'ailleurs, je vais faire exprès. D'autres choses, je vais fermer. Comme ça, vous avez dit son, son. Nous, on le dira église, église. Et voilà. Bien-aimés, la Bible dit quoi? Ils les virent des lois. Ils complotèrent. Bien-aimés, il y a des gens qui nous voient déjà des lois. Comment on arrive avec la bénédiction de Dieu? Puisqu'ils sont des sorciers, beaucoup de sorciers, beaucoup de jaloux voient ta vie de loin et ils complotent maintenant, il ne va pas réussir à ce qu'il va devenir. Même dans nos églises, bien-aimés, même dans notre environnement, même dans notre communauté, il y a des gens qui te regardent parce qu'ils sont des malins, ils sont des sorciers, ils disent, celui-là, si on le laisse, il va réussir rapidement ici en Europe. Celui-là, si on le laisse, il va se marier bientôt. Celui-là, si on le laisse, il va avoir beaucoup d'argent. Alors, puisqu'on le voit de loin, complotons que sa vie ne réussisse pas au nom. Non, ils ont raison de dire au nom de Jésus. C'est toi qui n'étais pas attentif. C'est toi qui n'étais pas attentif. J'ai dit complotons, mais nous, on va dire au nom de quoi? De Jésus. Jésus, c'est pour contrecarrer les quoi? Les complots. Le nom de Jésus sert à quoi? À barricader, à empêcher les obstacles. Mais je veux que la vie soit dans votre église. Je ne veux pas que vous laissiez la sorcellerie qui règne. Mais on doit étouffer. Cette année, j'ai dit, je frappe dur contre tous les sorciers. Tu es mal à l'aise. Nous faisons, j'ai dit les matins, sec. Mes messages vont chicoter. Tu es sorcier, tu te répands. Tu ne te répands pas. Tu prends tes bagages, tu prends tes sorcelleries, tes points de contact, tu amènes, tu pars. Parce qu'on ne peut pas faire des efforts pour que toi tu viennes danser la nuit ici. Quelqu'un m'a donné un amen. Saute. Jésus, Jésus. Amen. Soko l'ingé soit au tétika qui. Soko yo qui passe par le bi, c'est lui qui se sent. Connais quoi? Et alors, pourquoi Soko l'a menté? Comme un kilo. Tant que vous avez un bouton, on se fait la rater. Tant qu'on a pris notre terre, tout n'a pas de bi, n'a pas. Au nom de. Je ne suis pas venu avec des briques, je suis venu avec des cailloux. Gauthier, ça va? La maman, tu veux que tout le monde comprenne que tu n'as pas mangé? Assieds-toi bien. Depuis que je suis rentré, donc il a compris qu'il y a de la liété, la gêne. C'est pas comme ça, c'est pas biblique. Assure-toi bien, reviens ici, reviens aux premières chaises là. Parce que là-bas, tu cherches ton salut, il ne faut pas montrer. Bruno, vous avez dit, pour moi, tu as la semaine fatigue. Hé, maman. Il vire de loin, bien aimé. Tu sais, beaucoup de gens voient nos étoiles de loin. Ceux qui nous combattent, ils voient de loin ce qu'on va devenir. Et puisqu'ils voient ce que nous allons devenir, ces gens, ils prennent le temps de faire des réunions en disant que non, on ne les laissera pas passer. On doit l'empêcher à progresser et arriver à tel endroit. Beaucoup de combats que nous avons, ce n'est pas les combats des problèmes d'aujourd'hui, mais c'est des problèmes à devenir. C'est que tu vas devenir et les gens qu'on cherche maintenant quoi? À t'empêcher de cela. Ils ont vu de loin, bien aimé Joseph. C'est pendant que Joseph les cherchait. Il les cherchait avec joie parce qu'il disait que je vais aller à la rencontre de mes frères. Mais or, les frères regardaient de loin. Celui-là, quand il venait, il dit, regarde les rêveurs qui arrivent. Celui qui rêve, on doit le faire quoi? Mourir. Dans le but d'empêcher tous ses rêves se réaliser. Tous ses rêves se réalisent. Mais combien de gens combattent? D'autres viennent à l'église, mais ils ont la pensée que cette église n'évolue pas. Et mais quand ils viennent, je le passais, bonjour papa. Mais dans leur cœur, quand ils restent de loin, ils disent non, si nous lâchons ce type, il va aller plus loin. On doit comploter, on doit empêcher. Et d'autres disent même, ce qu'a été ton coup, ton solo là, tout commenter. Bien, mais commenter ce que je prêche, ça vous chicote. Comment comprendre, vous venez dans une église,
Les enfants de Dieu sont comme des... ce qu'on appelait des saints glaces. Quand on dit de porter quoi, les gens sont contents. Quand on prêche la parole, les gens n'aiment même pas dire amen à la parole. Mais quand on dit que qui va récolter l'argent ici pour la fête, les mouvements commencent. Là, on parle. Nous ne sommes pas dans un... mais nous sommes même pas dans une foire. Mais nous sommes ici, dans la maison du Père. Là où Jésus règne et vit. Si mon Jésus est vivant. Vous voyez les choses comme ça, on ne connaît même pas. Les gens n'arrivent même pas à chanter. Si mon Jésus est vivant. Si mon Jésus est mon sauveur. Pas l'esprit de ça, l'esprit de ça. J'ai attrapé quelqu'un qui dit n'importe quoi. Je savais qu'il disait n'importe quoi. J'ai répété à lui regarder pour écouter. Ah, mais l'esprit descend. L'esprit descend et qui? Qu'il règne ou qu'il agisse et tout ça. Il y avait un homme dans la Bible, au nom de David, il n'était même pas roi, bien aimé. Il n'était même pas roi. Mais celui qui était roi voyait de loin son devenir. Comprenez que celui-là va devenir grand. Et il complota avec ses soldats de chercher à faire mourir qui? David. Est-ce que vous êtes là? Amen. De chercher à faire qui? Mourir David. Mourir qui? David. Faire mourir qui? David. Il complota en décidant de faire mourir David. Et je connais aussi, les mages ont vu de loin. Ils ont vu de loin une étoile qui brille. Bien-aimés, des gens, les gens même mauvais, les mages n'étaient pas des anges de Dieu. Les mages n'étaient pas des serviteurs de Dieu. Les mages, ce sont des magiciens, des gens qui étudient les choses par des astres. Et quand les gens parlent des mages, ils pensent que c'était des grands hommes de Dieu. Non, c'était des gens qui pratiquaient l'occultisme. Et c'est pendant cette période, les croyants n'avaient même pas vu l'étoile. Mais c'était les occultistes qui ont vu l'étoile de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Mais ce que tu vas être, et ce que cette église est, beaucoup de sorciers qui viennent ici le savent. Mais des fois, toi-même, chrétien, tu ne vois pas. Voilà pourquoi tu te mêles au groupe de gens qui combattent l'église, qui viennent tantôt. Si nous sommes l'église, on passe à Royal Bakumokima. Pour aimer monter, comme ma terre, aux œuvres là. Parce que, bien aimé, nous voulons, bien aimé, décoller cette année d'une manière exceptionnelle. Mais on ne peut pas décoller quand il y a des salités. Bien aimé, faire une route, très bien, il faut t'en débarrasser de beaucoup d'autres choses. On ne peut pas prendre les mêmes salités, continuer avec cela, sinon on n'a rien fait dans notre vie. C'est comme si quelqu'un, bien aimé, veut changer l'appartement. Il dit que non, l'appartement est petit. Mais c'est qu'on envisage quoi? On dit que cette personne va prendre un appartement plus grand. Mais demain, tu chantes, on te trouve à même taille, même chambre. On va dire, mais pourquoi tu as changé? On va te demander pourquoi tu as changé. Il fallait rester toujours même prix, même tout ça, même les factures de courant pareil. Tu changes pourquoi? Un changement, il faut que cela t'amène à un progrès de choses. C'est comme on a changé un président au Congo. S'il n'y a pas un changement, est-ce que ça sert à quoi? Le problème n'est pas changer un président. Le problème, qu'on voit un progrès aussi. Et les Congolais, les gens qui ont un problème dans la tête, qui se sont cognés quand ils étaient des bébés à l'hôpital. Mais oui, parce qu'ils sont tombés de leur lit. Hé! Tosuye! Mais c'est bête. Bien-aimé, quand vous-même vous dites Tosui, après vous parlez de tribalisme, vous ne voyez pas qui provoque le tribalisme. Mais ceux qui disent Tosui, Tosui. Il y a des gens qui comprennent. J'ai entendu, Moussa Azalia. Tosui.
Tozui. Biso et tout, na biso. Oh. Écoutez. Tu ne vois pas que c'est un sentiment de tribalisme. Bien aimé, est-ce que vous pouvez comprendre? Dis à ton voisin. Allez, vas-y. Sous le sol, la type est rouge, ça va bien. Oh. Mais pourquoi vous regardez toujours bien? Brian aussi est habillé. Mais Brian aussi est en rouge. Mais Brian est là. Mais j'ai parlé juste quand elle est rentrée. Quand elle est rentrée, c'est là que j'ai le temps rouge. Alléluia. Amen. Suivez-moi ici. Bien-aimé, notre problème dans toute situation, que ce soit Mungala, Moulouba, Mouyombe, Moutandou, tout ça, notre problème, c'est le progrès. Ce n'est pas simplement le changement du président. Sinon, ça ne sert à rien. Bien-aimé, ça ne sert à rien de changer quelqu'un s'il n'y aura pas de progrès. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique ici? Même en France, quand le peuple vote un président parce qu'il veut un progrès, il ne veut pas qu'on continue avec le même quoi? Système. Mais, souvent bien aimé, ce sont des gens qui sont tombés au lit de l'hôpital. Leur maman n'était pas prudente. Et ils ont eu mal à la tête. Mais les gens qui voient de loin sont souvent bien-aimés, ceux-là qui ne côtoient pas notre Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique ici? Regarde ton voisin, dis-lui, je vais comprendre. Alors, parle aussi à l'esprit qui t'embête là, bien écouté, dis-toi, sors de moi. Ah, tu ne veux pas chasser celui-là? Bien-aimé, je dis, ceux qui ont vu de loin, Joseph, c'était ses frères. Ils étaient animés avec un mauvais sentiment. Ils ont dit que non, celui-là c'est un rêveur. On va le faire quoi? Mourir. Et ceux qui ont vu aussi l'étoile de Jésus n'étaient pas des bons chrétiens. N'étaient même pas des chrétiens. N'étaient même pas des croyants en Dieu. Étaient des gens qui étudient des astres et qui faisaient les histoires quoi? D'astrologie. Et ils étaient dans l'occultisme et les choses. Dans d'autres versions, on dit les magiciens. On dit directement les magiciens qui sont venus dès l'eau. Mais comment, je me pose des questions, il y avait des sacrificateurs. Il y avait des véritables chrétiens à l'époque. Personne n'a vu l'étoile. Bien aimé, ton étoile, ce sont des gens qui veulent à ta vie, qui voient ça facilement. Et ces gens décident que Ekosimba. Je pensais que toi, tu allais dire amen. Toi, tu ne peux pas dire amen. Dis amen. Amen. Mais dis amen. Amen. Oh, bon, Gauthier, c'est galé. Gauthier, comment Marc est là-bas? Le prêtre qui m'a soutenu pour que mes histoires de papier évoluent s'appelait aussi Gauthier. Ouais. Mais cette désolation, on l'a excommunié à cause de moi. On l'avait participer à mes soutenants, eux aussi, je l'ai aussi influencé. Il a changé son style de prêche et dans ma vie, c'est la première fois que j'entre dans l'église catholique. Les prêtres disent qu'on m'acclame. On m'acclame et ils me passent le micro pour dire un mot. Tout ça, ça était remonté jusqu'au sommet et on devait le faire partir. Même lorsque je suis passé dans les tribunaux pour mes histoires et un problème de la sorcellerie qui était arrivé à cette époque-là, de la bague. Toi, tu étais là déjà, pasteur? Oui, au de la bague, la fille qui était venue à la bague pour m'envoûter là. Et pendant que je prêchais, la bague commençait à lui serrer à la main. C'est si j'aime prêcher la vérité, comme ça Dieu te protège, bien-aimé. Quand tu prêches les sentiments, bah, au bambo, ma sassika, on a tel vandoko, on a tel dika. Je n'ai pas de terre, je n'ai pas de kandora. On va mitraillette, pouf, on le simbite, bazoka, pouf. Obi, pouf, pouf. Kala, je lui coffre. Et bien, il y a un peu de force aérienne. Les gars, déjà. Il y a un radar, il y a un radar. Bien aimé. Alors, ce prêtre,
Il m'a défendu jusqu'au tribunal, tout ça. Il a écrit les papiers que j'avais fait entrer à la préfecture. Il avait écrit, il a mis cachet du Vatican. Il a dit, nous, l'Église catholique Vatican, nous reconnaissons cet homme comme le pasteur. C'est un véritable pasteur. Et vous savez, la France craigne les prêtres. J'ai déposé ça, bien-aimé, de la semaine, on me donne la suite. Mais pourtant, tout ce temps, on a tout fait pour avoir les papiers, on faisait ça. Mais c'est bon, c'est quelqu'un de la préfecture, et celui qu'on nomme pour signer les papiers après les préfets. Là, comment on l'appelle? Il a un nom comme ça. Hein? Ah, il a un nom, j'ai oublié ce nom. Celui qui m'avait dit, tu es pasteur, je lui ai donné mon papier de pasteur, il dit, non, on croit plus au prêtre. Si tu connais un prêtre, en compte, Dieu est bon, bien aimé. C'est ce que la combinaison est une bénédiction. Toute personne que tu rencontres dans la vie, il ne faut pas le négliger. Ce prêtre est un canal pour moi. Je ne savais pas que par lui, j'aurais une solution. Et lorsque le type m'a dit, je dis, mon Dieu, j'ai mon prêtre à moi là, au cause bien. Parce qu'il m'a mené au restaurant, des fois, il me présentait les prêches. Parce que les, quand on prêche ici comme ça, c'est toutes les églises francs et catholiques qui prêchent ça. C'est le message. Maintenant, lui, il commençait à modifier parce qu'on discutait. Quand on parle des fois au restaurant, il me dit, oh, j'ai un sujet comme ça, comment toi tu vois ça? Moi, et maintenant, lui, à force de m'écouter, il a mené ce style maintenant là-bas. C'est un Congolais qui était venu lui remplacer. Parce que les gens commençaient à accuser tout ça. Et ça va, pasteur? Tu les as dit que tu es fiancé? Mais il faut les expliquer. Okay. Tu peux fermer bien la porte et les regarder quand la rose s'égare. Alléluia. Prochainement, il faut le dire. Ça, ils vont arrêter. Parce que tu sais, quand on est pasteur, on devient célèbre, et bah, tout va comme au Luca. Surtout à mon nom, c'est un tour là, t'as quoi. Ça peut coûter. Mais moi, il faut qu'ils sachent que tu es fiancé. Alléluia. Alléluia, Élisée. Il est fiancé. Oui. Je dis, ce sont des mages, des magiciens qui ont remarqué que l'étoile de Jésus brillait. Et ils complotèrent pour lui faire du mal. C'est ce que je décide et je déclare cette année, tous ceux qui complotaient contre nos vies bien-aimées, l'Éternel va les mettre en scandale et en spectacle au nom de qui? De Jésus. Non, tu ne comprends pas, bien-aimé. Même s'il est ici, même s'il est ton voisin, regarde-lui dans les yeux. Regarde tout son voisin, bien-aimé, intimidation, timide-lui déjà d'avance. Bien-aimé, la Bible dit les armes que nous avons sont aussi les armes offensives. Offensives. Alors, offense la personne. Dis-lui, écoutez, cette année, si vous aviez été dans le complot contre ma vie, ça sera nul et croissant. Bien-aimé, tu n'as pas regardé, mais tu as répété avec moi. Regardez-lui dans les yeux. Dis-lui, tout ce que vous complotez, même contre cette église, ça va vous détruire vous-même au nom de Jésus. Même vous qui me suivez. L'étoile d'une personne, l'étoile d'un endroit, les occultistes, les méchants les voient déjà. C'est ce qui se réunissent à un endroit pour dire. Bien-aimé, c'est ce que dans mes enseignements, je dis, méfiez-vous des réunions de famille. Oh, on a réunion. Des mêmes personnes qui aiment des réunions de famille, ils ne vont pas dans les églises. Ils n'aiment pas prier. Ils parlent toujours. Quand il y a la cotisation, quand il y a un deuil, ce sont des personnes qui appellent des gens. Mais quand vous savez qu'en santé, ils n'appellent pas. Méfiez-vous des gens comme ça. Ce sont des sorciers. Pourquoi vous appelez les gens simplement quand il y a un décès? Et là, tu as le numéro de tout le monde. Là, tu insistes, il laisse le message. Et toi, tu dis, hé, il a beaucoup d'amour de la famille. Non. Et il bouffe, c'est vous qui êtes à terre. Tu dois aimer quelqu'un pendant qu'il est vivant. Cherche à savoir sa santé. Toi, tu nous appelles, c'est pas... ça va. Alors, Dina, ça va. Comment tu vas? J'étais appelé, l'oncle qui habitait à Bumbula est décédé. Il faut qu'on se voie tout le monde dans la famille pour parler. Parler de quoi? Je ne viens pas. Parce que quand tu vas venir, les sorciers déjà ont complété. Dit l'autre là, quand il viendra, nous allons lui donner à manger comme ça. Il faut enlever son étoile. Tu vois comment il brille. Tu vois comment il avance. Et il faut qu'on les freine. Bien aimé, beaucoup de rencontres sont des rencontres maléfiques dans les familles. Vous êtes aveugles. Vous ne voyez pas, vous pensez que c'est l'amour. Mais ceux qui ont des yeux, ils savent que nous sommes réunis ici pour détruire certaines personnes. Et toi, tu fais faire la famille. Au moins, ta famille.
Bah, ton famille, bah, même tout ça, réunion, veut de prier pour Annie. Bien aimé, je vous dis clair, vous comprenez pas, vous êtes aveugle. Appelez-moi pour une réunion de prière, vous n'appelez pas. Et vous appelez pas de son nom à Kamabo. Tu vas dans ma camoussa, au van, la tour, vous avez le téléphone, mais vous avez le dis-moi, téléphone. Ok, ne couna pas ma longue, tu vas au rapport au baquet, Sophia Zoubal. Il y a un autre van d'abissot. Tu m'as fait déplacer pour parler de Sophia Zoubal. C'est que la réalité, parce que expliquer ce pas au bal là où est au monoté. Tu bal c'est côté mousse. Prochain tour est à yo. Il vit des lois. Maintenant on prie pour que je commence à prêcher. Fais-moi les yeux. Cela je bénis cette prédication que nous voulons écouter. Je prie que le message soit bien donné. Sont à toi uniquement qu'ils réceptionnent ces messages et que les touristes qui viennent, qui peuvent changer leur identité, qu'ils reçoivent aussi ces messages. Que des chasseurs de gibier qui viennent aussi en ce lieu pour chasser des gibiers, qu'ils changent l'identité à devenir les enfants de la maison. Que les élus et les bénis de l'Éternel qui viennent ici qu'il croisse encore de la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les particularités de l'aigle, pourquoi je commençais par ça à Orléans, c'est pour nous dire que si les autres voient plus loin le devenir des autres, mais nous, nous devons être des aigles pour voir encore au-delà de ce qu'ils voient. Amen. Parce que je vous ai dit la fois dernière que l'aigle est un oiseau qui éprouve d'abord avant de faire confiance. Et Proverbe nous dit que l'homme prudent voit les malheurs de loin. Vous comprenez cela? Oh non, tu ne comprends pas. T'es où là? Sois avec moi. On dit que, j'ai dit quoi? Les frères de Joseph virent Joseph de loin. Ils ont comploté pour le faire quoi? Mourir. Mais si tu es un aigle, la Bible dit que l'homme prudent aussi voit les malheurs quoi? De loin. C'est que si Joseph agissait à la manière d'un aigle, ils allaient comprendre les gens. Batonne, batelemi. Bon, quand il langage. Mais ce qui lui a marqué la vision de l'aigle. Et la Bible dit quoi? L'homme prudent voit les malheurs de loin, il évite. Et j'aime cette particularité de l'aigle, comme je vous ai expliqué la dernière fois. Il éprouve d'abord avant de faire confiance. Bien-aimés, nous nous faisons confiance sans faire passer les choses aux épreuves d'abord. Sans examiner, parce que je suis resté 10 ans avec cette personne, c'est que je dois dire que c'est la bonne personne. Mais c'est faux, bien-aimés. Il y a des personnes, bien-aimés, qui se cachent dans une carapace comme une tortue, bien-aimés. Quand tu veux les comprendre, ils rentrent à l'intérieur. Et tu as du mal à les cerner ni à les comprendre. Et ce n'est pas les années qui te donnent la possibilité simplement de rester bien aimé. Donne encore plus. Donne encore plus. Et cherche à percer la personne avant de lui donner confiance. Bien aimé, on s'est marié aussi avec des personnes qu'on n'avait pas bien compris. Parce qu'on a aimé plus. Oh non, on trouve que c'est gentil. Hé, tu as écouté la mère, c'est foufou. Hé, tu as écouté la mère, la mère, foufou. Les temps. A étudié, bien aimé. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens se marient avec des sorcières. Vous ne comprenez pas pourquoi le diable met à côté des hommes, des enfants des sorcières. C'est pour empêcher que leur étoile brille. Parce que aussi longtemps vous êtes dégagés, bien aimé, vous allez bouleverser le système du monde. Et le diable travaille pour que le monde soit sous son pouvoir. Bien aimé, dans ma vie, le diable avait vu mon étoile déjà servir de Dieu depuis longtemps. J'ai rencontré pas mal de fiancés qui étaient que de... Jusqu'au point celle que j'ai laissée pour passer un nom à qui il n'a pas pu. Yo papa, péché, yo maman, c'est platé. Vous comprenez cela? Même quand j'étais païen, même des copines dans le paganisme, parce que j'ai grâce, je suis païen, mais j'attrape les sorciers.
Quand je dis celui-là est sorcier, on va finir qu'il sera sorcier. Au point que le pasteur David me disait, yo pas randoki te yo. Comment on y va randoki? Mais c'est, je ne suis pas sorcier, mais je ne sais pas. Pourquoi? Parce que Dieu choisit quelqu'un avant qu'il soit né dans le ventre de sa mère. Vous devez savoir ça. C'est ce que Dieu nous équipe. Tu viens, tu es encore païen, selon le monde, mais selon Dieu, tu es celui qui a été déjà choisi. David, on l'a laissé dans la forêt. Les parents de David, comme les frères, le voyaient qui est un gardien des brebis. Il paissait des brebis comme berger. Mais Dieu le voyait comme un roi. Il était déjà roi avant qu'il devienne qui? Roi. Il faut le savoir ça. Parce que rappelez-vous, quand les enfants d'Israël insistaient que Dieu leur donne un roi, Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu avait son roi et qu'il savait qu'il va mettre autant au portail. Mais puisqu'ils ont insisté, bien-aimés, écoutez-moi bien. Dans un dîner de mariage, j'avais expliqué ici. J'ai dit, bien-aimés, d'autres relations, ceux qui ont insisté dans la prière de Fanza, m'ont paix sur le monde. Oh, nous avons paix sur le monde, à volonté naïe. Dieu peut te donner parce que tu insistes, mais ce n'est pas sans volonté. Il faut faire attention à ça. Les enfants disaient, nous, nous voulons roi. On voit beaucoup de gens ici, ils ont des rois. Pourquoi pas nous? Dieu dit, ce n'est pas le temps. Ils ont insisté. Dieu dit, bon, Samuel, viens, viens. Prends les fils de Hitchi. Consacre les rois pour eux. Quand ils ont eu Saoul, roi, ils étaient contents. Mais Dieu n'était pas content. Mais Dieu a donné parce qu'ils ont insisté. Est-ce que vous comprenez la Bible? Si tu ne comprends pas la Bible, tu vas mourir. Oh, si ce n'est pas la volonté de Dieu, comment Dieu m'a donné ça? Mais c'est bête, ça. Lisez bien vos vies, vous allez voir des choses. Je vais vous dire encore une autre chose. Il s'appelait qui? Balaam. Balaam, Dieu est venu lui dire, Balaam, oh, il ne faut pas aller avec ces gens. Les gens là, le roi Balak a envoyé les gens avec les quoi? Les présents. Vous connaissez les présents, non? Hein? Vous connaissez les présents. Ils sont venus avec des présents. Ils ont présenté à Balaam. Oh non, Balaam, si tu m'en dis. Balaam a dit, non, non, je ne partirai pas avec vous. Le ténèbre lui dit, tu ne vas pas aller. Ces gens sont retournés chez les rois. Oh non, il ne veut pas qui venir. Il dit que son Dieu. Ces gens sont revenus encore avec beaucoup de présents. Quand ils sont revenus, il dit non. Il dit non, Dieu ne veut pas, mais bon, comme vous insistez, attends, je vais monter sur la montagne et prier encore. Vous comprenez ce qui se passe là? Dieu t'avait dit déjà, je ne veux pas que tu partes. Vous comprenez ça? Maintenant, quand tu les as vus encore, dis bon, attendez, je vais monter encore prier Dieu. Quand il est monté prier Dieu, écoute ça. Dieu dit, je suis d'accord, pas. Vous comprenez ça? Or, les d'accord de Dieu là, n'étaient pas les d'accord. C'était parce que moi, j'étais déjà dit. Mais tu ne veux pas. Tu veux ton pas. Quand il partait, il a pris une ânesse, n'est-ce pas? Il commença à partir avec l'ânesse. L'ânesse s'arrête. Il a pris les fouets. Il a commencé à tabasser l'ânesse. À un moment, l'ânesse a dit, oh, bonico, papa. Combien de temps tu me vois, Annie? Pendant le bâté, Abi, depuis longtemps, je suis avec toi. Est-ce que je ne suis pas ton ânesse qui t'obéit? Elle a dit, oui. Mais au moment-là, les leçons sont là pour éviter les Camerounais, les Alliés. Il voit devant l'anzela, ange a tellement il passe aux îles à pousser à Abomaye. Vous comprenez ce qui se passe là? Nzamba pèse, autobusso, nzamba permet, nzamba n'a pas en bolité. Pourquoi ce ange a tellement pas Abomaye? Keba, vous ne connaissez pas Dieu. Ne te réjouis pas à tout ce que tu as eu. Dis que presque n'a zion ou pour appeler Nzamba. Non, c'est peut-être l'insistance. Vous lisez mal la Bible. Il s'appelait Moïse. Écoutez-moi bien. Mais vous êtes béni, vous êtes vérité, vous êtes allez, vous êtes dans ma valise, vous êtes tout au kimi. Pour moi, vous êtes à l'aise, vous êtes à l'air. Donne-moi la moquille, mais il fait le haut côté. Parce que Dieu ne change pas sa parole. La parole de Dieu reste la même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut faire attention.
Nous avons acheté des paroles de poyo au Tchelongibo. Acheté des paroles de poyo au Pessibolingo sur Yuap. Rien. Moïse. Bien aimé, dis à ton voisin Moïse. Moïse. Dans votre famille, qui a séparé l'eau déjà? Même l'eau de bassine à la salle de bain, qui a séparé? Papa n'a mis notre bâtiment dans la cantine, on prend pour l'amour. Joie ta chef coutumé, Nabino. Moïse, Dieu appelle Moïse. Abina Moïse, tu vas aller quoi? Chez Pharaon. Moïse, il prend sa famille pour Bakende. Bah, comme il place mot, la Bible dit, il s'est reposé parce qu'il était fatigué. Naboutou, ange, mokaye, nambele, abomanani. Yo, yebi, bibi, tolo, ba, ange de la mort. Non, l'ange de l'éternel. Moi, si naïe, à mon temps, Moïse a zola, n'a bien un homme comme ce soir. Tant à mon pa, à comprendre que non, Emmanuel n'a pas qu'à dire. Ayam bango, zoap, bien aimé, ma salamou, la circoncision, y'a mbango, bango. N'habite de rebimela. N'ayez bité, moi, la salamou, n'a pas qu'à dire. Maman, à salamou, à zoa, ce qui. Bah le bien Pierre, on a peut-être encore l'âge de Pierre, Azu poti ayep na vous ou la moi la chi chi chi, Azu prépile Swana, parti on a pour Swana à boiter yango ange, tant ange amoni abi obiki, alobi moi tant Moïse à la mouka abi moi sinayo abiki si, ange aki, botel loko, pourquoi nous sommes tant attendre que ça qui était katana moi non pour nous aussi que ba nzambe, nzambe ko pese loko. Malheureusement, comprendre que nous sommes autres qui nous avons bien été. Vous lisez mal la Bible. Vous êtes habitué avec des pasteurs. Nous avons dit que nous avons dit papa, hé, papa, hé, nous avons dit que nous avons dit tous les numéros que nous avons dit. Il est présent. Amoni. Papa, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. On y va, on avance. Bien aimé. C'est ainsi que j'ai dit, l'aigle éprouve avant de faire quoi? Confiance à quelque chose. Ta confiance, ce n'est pas simplement la confiance même à ce que tu gagnes dans la vie. Pourquoi il est là? Est-ce que tu as même tapé Singa? Puis il faut que tu ne il est là toi, même à l'ipambo, il est là dans la piège. Combien des occultistes ont tué des gens dans le cadeau, Missus? Il est là, papa, la piège. J'ai eu un bobé pour moi. Regarde comment il me donne les cadeaux. Bien aimé, discerne d'abord. Pourquoi c'est papa? Mais donne des cadeaux à ce niveau. Mais les femmes d'aujourd'hui ne sont plus des femmes. Quand un frère t'aime ici, comment te donner des cadeaux? Soit tu dans moi, je me souviens. Je n'ai pas pensé à l'heure frère. Non, moi, ça m'a aidé à comprendre. Frère, n'a pas été pour un cabinet. C'est qu'il est tenté d'arranger quelque chose. Il y a des choses, bien aimé, avant de se réjouir. Non, retourne à la parole. Je vous ai dit quoi? On a dit, vas-y, je te décide, d'accord. Notre base, c'est la parole de quoi? De Dieu. Ce n'est pas toi. Laisse la parole décider pour toi. Moi, comme avant de faire quoi que ce soit, je laisse la base parler. Puis on a dit, Baptiste, c'est qu'il dit. Ils sont fatigués. Surtout, ils sont là, ils sont là, base. Tu es solo, la sourde, ils sont là, base. Parce que moi, je peux rire avec toi, mais à la fin, c'est la base qui va traiter. Pour le passé, il est gentil avec moi. Comme on en suspend, on a gagné là. Pourquoi il y a une base? Quand on est allé là, fatigué vite. Ils ont compris une chose que la base, c'est ce qui soutient. On ne peut pas devenir grand sans la base. Bien aimé, nous sommes grands aujourd'hui. Moi, je vous prêche et vous êtes assis à cause de la parole. Tu es venu dans cet endroit. Écoutez ce que je prêche à cause de la parole. Et alors, pourquoi je dois oublier ça pendant que j'ai eu à cause de la parole? Nous, on oublie facilement. On a mis sous. Eh, Batbaye, on a rappelé. Non, 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 oui. Vous avez ma élite, Batala à base. Tu sais que la commune Moutoumoune était pour Naye Moko. Ils ont battu Nimba comme ça qui est Nini. Il faut que tu aies Nini, base. On a un assaut, 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 on a un bien aimé. Éprouve d'abord avant de faire quoi? Confiance. Que ce soit vous, que ce soit moi, le pasteur, nous tous, on a été trahis par nos émotions et nos sentiments.
Avoir d'autres personnes dit que celui-là, comme je vois, je vais lui responsabiliser à quelque chose. Or, c'est la personne bien-aimée. Quand l'ennemi approche de toi, il peut te déstabiliser mieux qu'avant. Nous avons aimé d'autres personnes dans la vie. Et nous avons donné même des opportunités à d'autres personnes sans éprouver. L'aigle ne paie jamais faire quoi que ce soit s'il ne vérifie pas le terrain. Parce que l'aigle, il ne descend pas pour descendre. Lui, il descend avec précision. Et quand il vient, il sait que maintenant le terrain est bien pour moi. Et quand il vient, il ne reste pas aussi sur terre. Quand l'aigle descend, vous savez, l'aigle, quand il attaque son, quoi, sa cible, l'aigle prend la vitesse de plus de 300 km par heure. Imaginez, ta voiture, ça s'arrête à combien? 280. Mais l'aigle prend plus de 300 km par heure. Je dis plus, ça peut être 350, 400 km par heure. Là, il vient pour prendre sa cible, bien-aimé. Mais bien-aimé, Dieu veut que nous ayons cette vitesse de le servir. Combien de gens aujourd'hui n'arrivent pas à servir Dieu comme il faut? Bien-aimé, tu es devenu trop lent. La Bible dit, vous êtes devenu lent même à la compréhension. Les gens sont lents aujourd'hui pour servir Dieu. Mais quand il y a l'église, la personne sort d'abord de t'amener dans le théâtre. On a telle série. Mais ok, il y a une église. Oh là là, Philippe. Philippe, il y a beaucoup de monde, Philippe. Regarde à l'air qu'il arrive à l'église après. Regarde comment d'autres personnes, bien-aimés, servent Dieu aujourd'hui. Comme une voiture qu'on est en train de pousser pour que la personne s'alimente. L'aigle fait des choses avec vitesse. Et c'est ce que Dieu veut nous voir comme l'aigle. C'est ce que Dieu dit à un homme. Il dit, c'est lui qui veut, viens, suis-moi. La personne a dit que non, permets-moi d'abord d'aller enterrer qui? Et il a dit, tu n'es pas digne. Parce que si tu es un aigle, quand on t'appelle, il faut prendre la vitesse sans reculer, sans entendre. Vous servez Dieu par quelle vitesse? Bien aimé, vous devez savoir que les ailes de l'aigle ne plus de 2 mètres. Ça me dépasse même. Plus de 2 mètres la taille de ses ailes. L'aigle soulève un animal pour l'amener. Et ce que j'aime de cet animal, bien aimé, quand il prend sa cible, il ne mange pas sur la terre. Il monte sur le sommet de la montagne pour manger. Bien aimé, laisse que toute bénédiction que Dieu te donne, va savourer cela dans les hôtels avec Dieu dans les sommets. Dieu te donne un travail, tu savoures ça avec les gens pour acheter des tabacs. Quand Dieu te bénit, c'est pour retourner au sommet et savourer la bénédiction avec lui. Si Dieu veut que nous soyons des aigles pour que nous voyons le monde à cette dimension, je ne travaille pas, je travaille. Quand j'ai mon argent, j'appelle les gens pour faire des sorties. J'organise des rencontres à l'occasion de rien. On prépare. Vous comprenez ces histoires? Oh, quand l'Éternel te donne, oh l'aigle, que Dieu bénisse. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas toute forme d'animal ou d'oiseau. Il choisit l'aigle royal. Bien aimé, je voudrais que tu sois un aigle royal. Bien aimé, tu viens d'une royauté. Un roi ne mange pas le maléwa. Un roi ne mange pas, bien aimé, qui bola bola, qui srakindet, qu'on va quelque part là. Ah, tu as compris. Un roi ne mange pas dans les makoussa. Ah, là, intervient maintenant. Vous voyez, c'est makoussa. C'est quoi? Cuisine de qui? Hein? Makoussa, c'est cuisine militaire. Dieu n'a pas besoin. Bien-aimé, il est tellement propre. Il vient, il descend, il prend sa bénédiction. Tellement il m'a béni, je prends. Mais je retourne dans la présence de qui? De Dieu. Pour manger cette bénédiction. Dieu te donne, mais paye la dîme. Moi, j'ai des problèmes. Mais on a beaucoup de banque. On est d'accord. Eh, zoa. 0D. 4, 5, 6. 12. 150, il y a yo. 50, il y a tantine. Wana. Nani, moi, il y a encore comme les aranais. Les gens qui mangent la bénédiction, ils n'ont rien à voir quand Dieu t'a béni. Parce que tu veux te faire quelqu'un de bien. Mais l'aigle, quand il prend sa bénédiction, bien-aimé, va étudier l'aigle. Il descend, ouh, il prend, il fait rentrer ses griffes, il amène, il retourne
avec ça. L'aigle peut te porter, hein? faut pas blaguer. Hein? S'il prend un animal lourd, hein? Toi, donc, surtout, ma niche, ma niche, la griffe, moi, qu'est-ce qu'il y a? Vous comprenez ça? L'aigle, ce que j'aime, je vous ai dit que l'aigle est rajeuni. Dis avec moi, il est rajeuni. Dis avec moi, il est rajeuni. Bien-aimé, j'ai compris une chose. L'homme cherche à rajeunir, mais il ne cherche pas à rajeunir son esprit. L'homme vieillit spirituellement. Quand je regarde beaucoup de visages ici, si je les amène derrière, je les nettoie, vous allez voir les visages fans. Mais là, on voit comme c'est lui. Plein de poudres sont rentrés dans ses visages. Parce que simplement, ces gens veulent quoi? Lutter contre quoi? Surtout quand on imagine, tout ça, notre souci pour rajeunir. Mais combien de fois, bien-aimés, on ne pense pas à rajeunir notre spiritualité? Nous sommes vieux dans la foi. On a une habitude aujourd'hui, aucune église par habitude, parce que tu es devenu vieux. Et là, il y a des malilles, bon, il y a des neiges. Mais faites OK. Faites une neige, ça va l'autre. T'es où? Pour l'IA. Église, moi, t'es au trou. Malilles, ça m'accasse. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Dieu veut nous voir être jeunes toujours pour lui, bien-aimé. Bien-aimé, quand on est jeune, on est plus énergétique. On a plus de la motivation. On a plus, bien-aimé, de l'enthousiasme. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la jeunesse. Si toutes les femmes n'aiment pas vieillir, vous savez ça? Entre les hommes, les femmes, tout n'a pas moi, pas l'obé aux attaques. Et les autres à Genève. Ah, au c'est un exemple. Ça prend du temps. On m'a dit, papa, je l'ai mis sur le bateau. Oui, ça, ouais. Mais sous ma kit, ça a du coup. Est-ce que je vous ai posé la question? Je ne comprends pas cette humilité. Est-ce que moi, j'ai posé la question à l'auditoire? Oli. Ils ont la maman, mais ce sont banques, sous tes poumons, ils sont remis vétérans. Ça va. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, nié âge quand tu n'as pas l'enfant. Oh, bah, moi, la longue, là, tu peux le mettre. Oh, le bagage, toi, la chouette. On a la fin, tu vas te ramener à moi, bon, moi, la moi, la vingt, moi, la vingt, ta beau, ta ramoua, hein? Moi, la cinq, ta beau, ti. Non, bon, la vingt. Moi, je connais ce qui est l'équipe. Vous avez cinq robots. Vous voyez ça? Ma mère, elle a attaqué le symbole, elle a dit, moi, la rapaste. Je m'en dis pas, bébé. Natalie, bébé, maman, elle a un colo. Je la photo, je vais tirer les bosses comme moi. Je dis, au cas où tu es. Mais il y a des endroits où on ne peut pas diminuer l'âge. Parce que le papa est ma référence. Quand ça va être bon, le pasteur a dit, mère, il m'a dit, où est-ce que tu es? Il m'a dit, mais ça va être là. Bon, tout là, il m'a tout dit, il m'a dit, pasteur, bon, il m'a tout dit, il m'a. Il y a besoin de la 38. Bon, sur moi, non. Au tiers à 19, à Sia. Vous voyez ça? Mes amis, sous ça, sur tout le monde, et qui t'a chaque mois. Ça dépend de la circonstance à côté. Pour le bigab, il y a 22. Il y a combien? 23. À terme, sous. Il y a 19, mais il y a besoin de 20. Finalement, on va vous dire. Bien aimé, on fait une erreur hein, de mentir l'âge parce que nous autres, on change de thé. C'est ça le problème. J'ai dit de rajeunir, je n'ai pas dit de diminuer l'âge. Il faut comprendre ça.
Parce que vous allez changer ma prédication, le pasteur a dit qu'on doit diminuer pour qu'on rajeunisse. Non, je dis rajeunir, fais rajeunir ton état. Bien aimé, tu sais, il y a beaucoup de choses pour rajeunir même le physique de l'homme. Ça nous permet, bien aimé. Mais je vais voir aussi certaines personnes aussi faire les sports spirituels. Bien aimé, vous savez, notre salle spirituelle pour nous exercer, c'est l'église de Jésus. Bien aimé, les prières, ce sont des exercices spirituels. Bien aimé, la lecture de la Bible, la méditation, cela muscle ton corps spirituel. Bien aimé, venir écouter la parole, venir dans les cultes de la semaine, ne pas rater un culte, cela te permet, bien aimé, à muscler. Voilà pourquoi même dans les salles de sport, tu dis, pour quelqu'un, deux fois, bon, les murs, les mitaines, les mouvements, les choses. Parce que spirituellement, comment tu peux arriver? Et j'attendais quelqu'un qui parle de. Hé, vous connaissez ça, ce prof dans mon thème, hein? Et une telle personne, comment vous pouvez espérer dans la foi, la personne peut avoir la ténacité? Parce que les combats de la foi sont solides que les combats de la chair. Bien aimé, tu peux rester tranquille chez toi, mais tu attends des pressions. Prenons des hommes comme nous, des pasteurs qui vous dirigent. Vous savez, des fois, je peux rester calme, mais j'attends des attaques. J'attends les gens m'attaquer. Et maintenant, si tu n'es pas musclé, vous savez combien viennent ici, voudraient me voir finir. Combien viennent ici, voudraient voir cette église. D'autres qui ne viennent pas. Tout le monde va aligner comme on a dit, on a pas aligné. Vous savez ça. Bien aimé, ce sont des combats. Il faut se muscler. Combien les gens veulent nous impressionner pour abandonner des fois l'évangile de la vérité? Au moins, quand tu regardes ce que tu me colotes, pour la vérité. Je suis là pour prêcher. Pourquoi j'ai musclé? Bien aimé, le temps de l'exercice. Bien aimé, quelqu'un ne devient pas musclé en un seul jour. Beaucoup d'exercices, bien aimé, bien beaucoup dans les choses de Dieu pour muscler ta spiritualité. Comme ça, tu vas rajeunir spirituellement. Tu es soufflé, moins de prières. On a mon rhumatisme. Rhumatisme, on a les boumères à poli. On a estomac, on a rassogène et bandit. Sogène et siliba, on va passer à la kissure, ça va. Bon, pour vous, je me souviens, docteur Abayna Koutané sous échographie. Échographie, Yanni, estomac. Vous voyez ces gens, parce qu'ils ne veulent pas. Bien aimé, prends-moi le livre de. Psaume 103, verset 5. Et quelqu'un d'autre me prend le livre de Deutéronome 32, les versets 9 à 11. Psaume chapitre 103, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme qui l'aigle. Nous acclamons la parole du Seigneur. La Bible dit, celui qui rassasie ta vieillesse et celui qui te fait rajeunir comme qui. Pourquoi? Parce que l'aigle, quand il commence à vieillir. Vous savez, quand on vieillit, on perd la force. Ce qu'on pouvait faire à l'âge de 15 ans, on aura du mal à le faire à l'âge de 98 ans. J'ai suivi une vidéo qui m'a beaucoup fait rire. Les gens qui m'ont... Tout le monde sait que les pasteurs et mon collègue nous avons trop chargé dans ma tête et je me défoule à par des rires. On m'a envoyé une vidéo qui m'a beaucoup fait rire. J'ai vu un vieux papa qui voulait se battre avec son enfant. Même sa manière de faire les points, hein, ça changeait même. L'enfant ne veut pas. L'enfant passe ses mains comme ça pour à tout la couille, à télémi. Mais papa, tu n'as plus les points. Même si, mais à les suivants, j'ai dit, c'est papa qui était bagarreur. Mais il oublie qu'il a perdu la force, vu qu'il commence quoi? À vieillir. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, tu peux être maître des maîtres. Celui qui gagne en judo là, comment il s'appelle ici? Non, celui que je connaissais avant. Moi, je ne vais pas de nouveau là. L'autre là. Non. Vous devez donner des noms que je ne connais pas. Il a mal prononcé. Voilà pourquoi je n'ai pas compris. C'est Teddy là que je cherchais. C'est ce que je cherchais.
Non, ça c'est pas français là-bas. On voit les âmes, non, tout ça. Que voit un âme, maman, le bar qui monte. Son. Le problème, c'est son. Et Élisée sourit sur la série son, mon nigga. Au moins, la télé, elle est trop son. Elle est très effrayante avec son son. Tu sais, c'est l'autre, tu vois, il faut son là-bas. Non, l'objet, il faut. Oh, ils ont gâté, oh, ils ont. Nous avons le bâté. Pour le bâté, nous avons le bâté. Nous avons le bâté. Nous avons tribaliste et tout ça. Voilà, suivez-moi ici. Parce que tout le monde connaît son. Et écoutez. Elle est intéressante, la dame là. Elle est très intéressante, en tout cas. Voilà, en tout cas, il y a un bon alima, en tout cas. Il y a une bonne école. Il y a un bon alima. Hôpital, on va à l'hôpital. On les demande, vous, on veut qu'on construise pour vous l'hôpital ou Bralima, il y a un bon alima. Bon alima, là, Bralima. Ils ont refusé un hôpital pour chercher une brasserie. Est-ce que vous comprenez le niveau de Mongo? Mais ce n'est pas normal, les gens de l'Équateur. Mais si? Mais si, je te dis? C'est vrai? C'est vrai, ma préférée, la Mongo, hôpital, les Zalatés, mais tombez là. Est-ce que vous comprenez ça? Mais maintenant, si vous tombez, vous allez partir où? Non, ce sont les gens qui sont ailleurs. Oh, que le Seigneur vous aide. Alléluia. Écoutez. Je vous ai dit que l'aigle prend sa cible et il monte avec ça dans les sommets de la montagne. Ce que j'aime, l'aigle, tu ne verras jamais son nid comme les autres oiseaux. Vous savez, les moineaux, tu peux voir leur nid même dans les toits du meuble. Même dans les costras, vous connaissez les costras, les enfants de l'Afrique, le costra. Donc tu peux trouver ce qu'on appelle la zala, hein? Le nid de tout ça. Mais l'aigle, l'homme pour voir le nid de l'aigle, il faut être capable à grimper la montagne. Il ne fait jamais son nid là où il y a les gens. Il construit son nid, bien aimé, au sommet, mais ne met pas dans la montagne ou sur la montagne, mais au sommet, comme des Kilimanjaro. C'est là où l'aigle entre. Il ne mate même pas à l'extérieur, bien aimé, il entre à l'intérieur de la grotte de la montagne. C'est là où il fait son nid. J'aime l'aigle. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est un lieu sécurisé. Que personne, aucun autre oiseau pourra monter jusque là-bas pour venir prendre ou tuer ses enfants. Oh, je suis le lion, monte. Oh, je suis oh hippopotame, monte. Les enfants de l'aigle, pour les attraper, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez cela? Il sécurise son territoire. Ce que j'aime, il construit dans le roc. Oh, le rocher, c'est un homme, bien-aimé. Quand tu deviens un aigle, tout ce que tu vas concevoir comme projet, tu le feras dans les rochers. Oh, les rochers, c'est Dieu. C'est ce que la Bible nous dit ceci. La Bible dit que non, tout ce que tu veux faire, dis-le si Dieu le veut. Parce que bien aimé, quand Dieu veut, c'est que tu es caché en Dieu. Mais vous faites des choses parce que vous voulez. Vous voyagez parce que vous voulez. Vous construisez des projets parce que vous voulez. Vous voulez les mariages parce que vous voulez. Mais parce que est-ce que Dieu veut? On fait des enfants parce qu'on veut. Potema moi na nem to l'exam lobby. Obotema moi na mo moi na nem poli le wali boma. Tu as vu pourquoi? Parce que tu l'as fait sans Dieu. Dieu ne se sécurise, mais tout ce que Dieu ne sécurise pas, le diable a l'accès à ça facilement. Si vous ne savez pas.
C'est ce que l'aigle, Dieu a pris sa forme. Parce que Dieu sait que l'aigle, c'est la sécurité. Dieu veut que nous soyons des aigles. Pourquoi? Pour que nous fassions toutes choses dans la grotte, bien-aimés. Je veux que cette année, cette église, nous tous, bien-aimés, nous construisions les choses dans les rochers. Bien-aimés, ne fais pas quelque chose parce que tu veux. Fais quelque chose parce qu'on doit le faire dans les rochers. Dites-moi, amen. Amen. J'ai besoin de ces travailleurs dans cette église. Je n'ai pas besoin de présents dans l'église. Mais j'ai besoin de ceux qui viennent travailler pour le Seigneur. La Bible soutient mon langage. Dieu ne cherche pas les âmes simplement pour venir, mais Dieu cherche les serviteurs et les servantes. Amen. C'est ainsi dit dans Joël comme dans le livre des Actes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je vous ai expliqué toute chair. Il ne faut pas penser comme vous pensez là. Suivez mes enseignements dans les YouTube et qu'on sort. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Les gens disent, chair, n'importe quoi. Tu sais pas que l'antilope aussi a la chair. Ouais. C'est que Dieu va répandre même si les antilopes. N'a chat voisin n'a bien non. Pourquoi pas dans la banlieue côté ma bien car la peine de ma chat en moulin. Si vous comprenez ces histoires, tout ça ce sont des chairs, n'est-ce pas? Quand vous comprenez mal les écritures, les gens comprennent mal les écritures. Allez suivre mes enseignements pour ne pas t'expliquer ça. Ce n'est pas toute chaise que vous imaginez. La délicance spirituelle. Il faut des conférences. Vous venez ici, rien. Les pasteurs vous détectent à la bio. Moi, non, ma suscité, Tcholilo. Ok, comme il a le passé, tu vois. Mon ton ensemble. L'esprit de Dieu me dit, si, l'esprit ancestral qui te parle. Et Gauthier, le gazelle, si on a besoin de Zambé, il a besoin de moi, il a besoin de Gauthier. À quoi il paye? Il a besoin de moi, il a besoin de moi. Moutabimi, rebelle, on a besoin d'espérance. Non, ici, ils sont pas rebelles, ils sont dans. Bonjour, monsieur, quoi, ta veste à rouge, et bébé, ça, mon tout. Pas qu'à ça, sera à côté. Moi, ma thèse, je me vois pas qu'à ça, c'est au béto, poum. Les autres salons, tout. Sois attentif pour comprendre ce que j'explique. Ne me parle pas de si, parce que vous savez ce que j'ai dit, n'est-ce pas? J'ai bien dit, les enfants comme si. Même là, tu me dis si. Tu vois pas que tu as un problème dans la tête. Parce que, est-ce que tu as corrigé les pasteurs? Les pasteurs connaissent ce qu'il dit. S'il dit, les enfants rebelles, c'est qu'il sait qu'il y a des ceux qui sont bénis. Ne me parle pas de si. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un sentiment négatif des fois. Il faut que je bombarde ça pour que ça parte. Comme ça, tu es dégagé. C'est ce que vous laissez partout dans les réseaux sociaux. Comme bien en mode, comment. Si vous êtes passé à tes mains, comme là, on a monné pour la petite bague. Ah papa, combien de jeunes de prier? Parce que vous voulez les gens qui vous parlent. Ces enfants parlent que des choses que les gens aiment. Si vous ne savez pas. Est-ce que Dieu peut parler simplement aux gens, les gens que les gens aiment? Dieu est là pour corriger. Et puis ma prophétie, il y a un micro aux amotés. Ce sont des prophéties que je connais que les enfants la font. On a un que Dieu t'élève. Tu seras un grand serviteur de Dieu. C'est peut-être Dieu pour mon rabo. Lisez dans votre Bible, vous allez voir tout cela que Dieu appelait, ils avaient peur. Moi, je les gens sont contents de venir passer. Bon, non, normal. Prenez-moi votre Bible, là où Dieu choisit quelqu'un de devenir homme de Dieu, il est content. Pour me poser ma soupe assis. Si tu me trouves les versets, ma mère, vous avez assez peu lié. C'est pas pour toi. Tout le monde craignait ça. Aujourd'hui, les gens veulent devenir hommes de Dieu. Moutoutou, pasteur, vous ne comprenez pas? C'est dangereux, bien-aimé. Ils construisent en dehors, ce sont des moineaux qui ont des nids partout, bien-aimé. Nous voulons les aigles qui montent au sommet. Donnez-moi un amen. Amen. Ah, donnez-moi un amen, non? Amen. Je suis là pour toi. Ça va?
L'aigle, c'est un protecteur de ses enfants. C'est qu'il y a une particularité de l'aigle. L'enfant aigle ne se marie pas s'il ne construit pas encore son nid. Suivez ça. Un aiglon, aussi longtemps il vit dans les toits de ses parents, il ne se marie pas. Est-ce que vous comprenez ça? Un aiglon peut courir derrière une femelle seulement au moment où il a construit aussi son nid. Est-ce que vous comprenez cette histoire? Ce n'est pas en vain Dieu aime s'appeler aigle. Mais vous vous mariez, vous êtes à gauche chez papa. Si Dieu veut te dire que tu sois un aigle, parce qu'il veut d'abord, avant de tout faire, t'engager aux choses, devenir d'abord responsable de toi-même. Il y a des gens qui viennent dans nos églises qui ne sont pas responsables d'eux, qui viennent parce que l'autre m'a mené, si l'autre ne veut pas moi, si je ne viens pas. Tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien. Il y a d'autres qui sont responsables, pas, mais ils ne sont même pas responsables de leur propre vie. Ce sont des gens qui décident sur eux. Mais ils veulent devenir responsables. Quand on donne des responsabilités aux personnes, prenons comme lui, je lui donne la responsabilité de diriger le culte ici. Pendant que quand il rentre, on veut le chasser à la maison pour aller dormir, je vais passer quart d'heure. Il n'est pas encore responsable. Nous avions fait des erreurs des fois dans certaines autres choses. On responsabilise des gens qui sont sous tutelle. Les grandes sœurs, les peuples, les mamans vont te parler, tu quittes l'église. Oh, mais ma famille m'a parlé. Suis-moi bien, toi. Oh, ma famille m'a parlé et tout ce qu'on sort. Les rapporteurs, prenez ça, enregistrez ça, rapporte encore mieux. Parce que c'est en live inutile d'enregistrer. Dites aux gens, dites, suivez le message. L'enfant ne peut jamais maudire le père. Prouvez-moi ça. C'est le père qui a le pouvoir de bénir et de maudire. Il faut faire attention. Mais papa bête au garaboué. Milinga. Boutou kototo do kende. Ole arabo bakayon a gardi no. Obimisa moukanda ba biza tout au moins longi Antoine. O zangai. Yoza mboula ni. O 20 ans. O tozo mouna moukanda mouta 50 ans. Frère, au kebi man aéroport, aux obligés, au koma parlementaire debout. Il y a Fatih. Parce que tu as pris le choix. Faut qu'on quitte, ok, quand tu as la mouka. Tu es au coma, on est la mouka, on est balouka. Est-ce que vous comprenez ça? Je sais que j'ai dit, bien-aimé. Quand on responsabilise quelqu'un, il faut qu'il devienne d'abord responsable. De lui, il sait les choix que je fais, la direction que je suis. J'assume cela. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est mon choix. Mais quand tu es toujours, maman dit, papa dit, mes sœurs ont dit, tout ça. Mais des fois, il faut regarder les gens qui te conseillent d'abord. Des fois, je m'étonne des chrétiens. La personne qui te conseille d'abandonner une logique de Dieu, sa vie. Mais jugeons-en nous-mêmes. Je te dis de ne pas aller dans cette église pendant que moi-même, ma vie que j'aimais, c'est une vie de polichinelle. Va trouver ça vous-même. Une vie de polichinelle. Et mes petits conseils, toi tu dis, oh, ma sœur a dit, écoutez, jugez-en nous-mêmes. Celui que je vais trouver modèle. La Bible dit, imitez vos aînés dans la foi. On a dit dans la foi, dans leur style de marcher dans le Seigneur, mais pas dans les bêtises. Si ton père est voleur, il te conseille, tu vas suivre ça parce que c'est ton père. On imite les bonnes choses. Je vous ai dit la dernière fois ici, une erreur, on ne peut pas imiter cela, à moins que tu sois un fou. Quand tu vois que lui a fait, moi aussi je vais faire. Mais c'est que cette personne est très bête. Tu prends une fiancée et te dis, oh, Boutsangou, oh mon baningate, qui m'a eu?
Ndoki. Pourquoi tu veux faire notre vie référence des autres? Pourquoi tu veux copier les modèles de la vie des autres pour donner à moi? Je sais qu'il y a des hommes qui souffrent. Mamibal Msubala Tsabona forme Mibalo moi, c'est la lingara kala la mutemanaye. Elizo ebi masolo. Papa, na linga kola taboye. Nzo kasala ba référence à Jonaya Kano linga. Bien n'est pas déguisa ou ebate, guignol. Oui, après, on sera fier. Tu vas voir le guignol. Bah là, tu as la forme à Olivier. Oui, bah t'es. Olivier, c'est pelé. Je suis bon, man. Je suis un homme qui a dit. Nous avons moi, si le roi Linga Olivier trop, Olivier a pensé à l'occasion. Ah, Linga, soit ta photocopie, Olivier, mais il ne s'en pas en aïe. Comment on l'a ta Olivier? Je vais demander Olivier directement. Non, Zaranoa, non, Philippe, maman, la Philippe, maman, Olivier. Un jour, on rame Gosso, ah, Olivier, tira, Olivier, point. On a assez la blague. Que bon, la va comme, il m'a bon. A quoi, bambo, comme on a comme, on a bien, encore, Olive. Nous, on a quand ça, Olivier, bon, dit, on a Olive, Olive Lembe. C'est les rêves. Bien-aimé. Basse, on va te ma paix. Koliana moi si ba mikolo ba koliana ni. C'est ba âge de chute. Pourquoi c'est âge? Ce sont les âges de chute. Alléluia. Mais les femmes, une femme sauvée est une bénédiction. Faut pas oublier. Une femme sauvée est une bénédiction puisqu'un homme sauvé. Ah, je vous dis, hein? Une femme sauvée. Je ne dis pas une femme qui vient à l'église, il ne faut pas oublier ça. J'ai précisé sauver. Il ne faut pas me dire si. Une femme quoi? Sauvée. Pas celle qui vient à l'église, simplement, mais qui est sauvée. J'ai dit l'aigle ne peut pas prendre une responsabilité s'il est sous le toit de qui? De ses parents. Imagine ça. Mais vous n'avez pas lu Deutéronome 32? J'avais donné Deutéronome 32, 9 à 11. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, on prend des engagements, des choses pendant qu'on n'est pas encore responsable de nous. Fais-moi vite. Fais vite parce qu'il faut que je touche le bec et les griffes, tout ça pour qu'on arrête rapidement. Deutéronome chapitre 32, verset 9 à 11. Je lis au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. La part, bien aimé, écoutez, tu es une part de l'Éternel. L'Éternel, dans tout ce qui existe, Dieu a pris sa part, qui son peuple. Dieu t'a considéré, Dieu t'a aimé, Dieu t'a fait chrétien, bien aimé. Parce que c'est un grand aigle qu'il est. Il dit que sa part, c'est toi. Jacob et sa part d'héritage. Part d'héritage, Jacob c'est Israël. C'est toi aujourd'hui, bien-aimé. Dieu ne cherche rien d'autre sur la terre, mais il a que besoin de toi. C'est ce qui s'est sacrifié pour toi, parce que tu es la part de son héritage. Il a tout laissé au monde, il a tout laissé au diable. Il a tout laissé, bien-aimé. Quand tu négliges Dieu, ça me fait triste. Quand vous abandonnez Dieu à cause des miettes de la terre, ça me désole, bien-aimé. Quand vous avez du mal à donner vos oreilles, à écouter la voix de votre Père, qui est Dieu, au travers peut-être de ma bouche aussi, ou de la bouche de mes enfants pasteurs qui vous prêchent, bien aimé, ça me fait mal ce que tu n'as pas compris. Combien Dieu te trouve comme sa part d'héritage. Il n'a pas cherché de l'or, il n'a pas cherché, bien aimé, des chrysolites et des topazes. Il a préféré prendre toi. Il n'a même pas regardé les diamants, il n'a même pas regardé de l'airain, il a regardé toi. Il a dit dans tout ce qui existe, ma part de l'héritage, c'est non, non. Ma part de l'héritage, c'est Gelor, c'est Olivier. Et Olivier, il est comme non, 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 non. Je dis trop dans ma bouche, que le Seigneur te bénisse alors. Quelqu'un comprend. La part de mon héritage,
Dieu a tout négligé pour toi. Restons assis. Restons assis. On y va. Il a trouvé dans une région déserte. Il a trouvé dans une région déserte. Dans un chaos rempli. Mon Dieu. Incroyable hurlement. C'est qu'il a trouvé son peuple dans le désert. Tu sais comment Dieu t'a ramassé, ma soeur. Dans quelle vie tu sors? Oh non, moi je sors de la bonne famille. Quelle bonne famille? Ton père était un occultiste. L'argent que vous avez, c'était l'argent de Codia. Dieu t'a trouvé dans une bénédiction maléfique. Ne te réjouis pas. Oh, moi, j'habitais à ma campagne. Tu sais combien de sang ton père buvait pour que vous ayez des maisons à ma campagne? Dieu t'a trouvé dans une vie maléfique. Dans les déserts de la vie. Et d'autres, vous savez, vous sortez peut-être des quartiers de la pauvreté. Vous avez eu du mal à manger, mais à trouver un pain. Tu sais comment Dieu aussi t'a pris. Chacun de sa manière, Dieu a dit que la part de mon héritage, je ne préfère pas autre chose, mais je préfère lui. Il a tout laissé au monde, il a tout laissé au diable. Et toi, tu es un grand aujourd'hui. À cause de quoi? De la France. Bien-aimé, la France que tu as voulu, le froid là aujourd'hui, ça a enlevé ton Dieu. Tu n'as plus Dieu, bien-aimé, à cause de la France. Est gelé, il devient glacé, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est glacé, tu peux taper avec machette quelque chose, tout, la personne se casse. C'est si aujourd'hui il y a des chrétiens bien-aimés, tellement ils sont devenus froids, glacés, quand tu veux lui parler, oh, tu lui brises la jambe. Au lieu qu'il s'élève, au contraire. Quand tu lui prêches la vérité, ça lui brise les épaules. Parce qu'il est glacé. Mais ce que j'aime chez l'aigle, bien-aimé, l'aigle est le seul oiseau qui arrive à regarder le soleil avec ses yeux. Il monte. L'image fait que nous montons, nous volons plus haut, plus que les autres animaux, pour qu'on soit tout près de lui, étant que le soleil. Bien-aimé, que tes yeux ne voient rien d'autre. Voient que le soleil, le vent, le soleil de la justice, c'est chrétien. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de carences de la connaissance de Dieu. Mais pourtant, on vous enseigne. Parce qu'il y a trop de choses bourrées. D'autres sont ici, ils pensent au testo. À combien pasteur Bazo, mais on répondait Ernie. Ma canne-siga, on a champé dans ma testo. Tout le temps, tout le temps. Même deux minutes. On a passé dans un temps. Il faut la louga, elle. Vino Bano, voilà. Et qui? Naï, somme ta commelinga, à mon année, ou mêlée, 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 on a l'ouga R, R, N. Et là, vous avez spécialisé ce mal de ça. Fini, fils, ces versets. Il a entouré, il a pris soin de lui, il a gardé comme la prunelle de son aile. Il a gardé Jacob. Regarde-moi ici. Maman, madame, laisse ce que tu fais, suis-moi, arrête de lire. Tu lis quoi? Voilà, j'ai toujours dit qu'à quelqu'un, lis, vous notez, suivez-moi. Non, l'enregistrement, écoutez, c'est différent aussi. Écoute, l'enregistrement pour te servir à te rappeler. Ce n'est pas pour t'enseigner. Vous ne savez pas, le Saint-Esprit joue des rôles. Nous enseigner et nous rappeler. On ne dit pas, bon, le Saint-Esprit va me rappeler, c'est tout. Non, il doit d'abord t'enseigner. Quelqu'un écoute ce que je dis. Amen. Il dit, il a pris soin de Jacob. Bien aimé, Dieu a pris soin de toi. Tu sors d'une famille qu'on a bouffé beaucoup d'enfants. Combien de neveux de cousins sont morts? Toi, tu es en vie. Dieu a pris soin de toi. Quand je disais, si j'attrapais les sorciers depuis l'enfance, quand Dieu prend soin de toi, il prend pas soin de toi quand tu deviens chrétien. Depuis que tu étais supermatozoïde et quand tu courais pour entrer dans les eaux, zoville aux ovaires. Zoville aux ovaires. Aux villes aux ovaires. Et là, ça chauffe là. Les eaux. N'a pas si bon, moi, je vais habiter. Et ça allait là, aux villes aux ovaires. Il y a eu un moment, moi, je vais habiter. Il y a eu un moment, je vais vivre, mais je vais. C'est triste, ça. Et en haut, à bout de sa robe, ma part. On y va. Il dit, Dieu a pris soin d'eux. Mon fils continue. Il s'est montré pareil à l'aigle. Qui réveille sa couvée. Il s'est montré pareil à qui? À l'aigle.
qui réveille quoi? Son couvert. Tu vois? Voltige sur ses petits. Déploie ses ailes de plus de 2 mètres. Le prend et le porte sur ses ailes. On acclame la parole du Seigneur. Bien-aimé, l'aigle tourne tout autour de ses enfants. Et à un moment, quand il voit que ses enfants n'arrivent pas à voler, où il commence à descendre, l'aigle déploie ses ailes, il les pose là. Il préfère porter le poids de ses enfants. Et il les remonte encore plus haut. Parce qu'il sait que je ne peux pas laisser mes enfants descendre par terre. Parce que s'ils descendent, l'ennemi le plus culminant de l'aigle, c'est le serpent. Il sait que si le serpent attrape mes enfants, c'est la mort. Donc je ne peux pas permettre que leurs pieds touchent la terre. Je vais moi-même les prendre dans mes ailes. Et il remonte avec ses enfants là où se trouve le soleil. C'est là où il les lâche. Mais il veille. Si l'autre commence à descendre, il vient en bas, il les reprend, il les ramène. Bien-aimé, vous êtes ici. Je suis l'aigle là. Quand je te vois t'affaiblir, je m'approche de toi pour te motiver, tu m'effouilles. Et tu évites. Tu fais des caprices comme si je suis ton mari pour te supplier. C'est cette carence d'amour, je ne sais même pas. Moi, je viens tant que l'aigle pour te porter sur mes ailes. Mon rôle, bien-aimé, n'est pas vous permettre à descendre par terre. Je ne dois pas comprendre ce que toi tu veux. L'aigle n'a pas à comprendre son fils. Oh non, moi, je n'arrive pas à faire mes ailes comme ça, déployer. Moi, je veux descendre un peu. Non, parce que je ne peux pas te laisser. Je connais qui où tu es en bas. Pourquoi ils descendent ses enfants? Parce que quand ils cherchent à prendre l'envol, à un moment, ils se fatiguent. Comme ils sont fatigués, ils descendent, ils ont envie de se reposer. Mais l'aigle ne peut pas les laisser. Parce que s'il les laisse, lui, il connaît que les serpents chassent les aigles. Et lui, il vient récupérer. Et toi, tu veux que j'ai cadence comme toi. Parce que tu es fatigué, parce que tu es comme ça, je dois te laisser. Mais non, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de déployer mes ailes et de te ramener tout près du soleil. Oh, le soleil là, ça me fait mal aux yeux, bien-aimé. Voilà. Voilà, bien-aimé. L'homme ne peut pas regarder le soleil, mais l'aigle regarde le soleil. Quelqu'un attend ce que je dis. Bien-aimé, regarde le soleil. Si tu regardes les gens, tu vas les voir. Tu regardes le soleil, après tu baisses les yeux. Tu vas voir quoi? Tu vas voir quoi? Tu vas voir quelque chose de noir devant. Mais l'aigle regarde le soleil. Voilà pourquoi Dieu veut. C'est ce que la Bible dit, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Je me pose la question, vous ne voyez pas. Regarde vos vivants, regarde vos sœurs, regarde vos frères. Et vous voyez que celui-là est en train de se perdre. Celui-là, Bungi. Mais bon, que nous lions ensemble. Vous êtes des méchants. Parce que, sont des mauvais. Parce qu'ils t'ont aveuglé aussi. C'est ainsi que d'autres chrétiens qui viennent dans nos églises sont que des chauves-souris. Voilà pourquoi chauves-souris n'a pas des yeux. Et chauves-souris n'aiment pas sortir la journée. Sort toujours quand le crépuscule commence la nuit. Il y a un moni babo lingo comme même tout bossa vous nous on la cachette parce que bozo sa makambo ya robatama boza ba chauve nini soyi batale ba moni souri et maman ma papa bimi oh nan batale longi ba mona misu exact utambolaka ne écoutez un oiseau qui n'a pas dit mais comment il se promène il lance simplement écrit. C'est un cri fini, l'homme ne peut pas attendre cela. C'est ce cri qui fait les ondulations, qui va. Si un mire, pouf, il touche, il revient, il lui dit, ça y est un mire. C'est que quelque part, il marche avec l'instinct. Bien aimé, la vie, on ne doit pas la conduire avec l'instinct. C'est Dieu qui est le conducteur de la vie. Il a voulu nous laisser, il a dit non, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais vous envoyer un consolateur qui vous conduira. Pourquoi il ne nous a pas laissé nous conduire? Parce qu'il sait qu'on est des aveugles sans le Saint-Esprit. La Bible dit qu'un aveugle conduit un autre aveugle et finit par faire quoi? Il y a un moment où nous sommes dans l'église, nous sommes ensemble. 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 Nous sommes ensemble.
Bien-aimé, Zemi Kiri. Et Kiri Mandengi. Mango Koso. Nous faisons des choses par groupe. Bien-aimé, l'aigle ne vole pas avec les autres oiseaux. Amen. Je vous ai dit une des particularités, l'aigle vole seul. Il fait ses histoires, pas selon les convictions des amis. J'avais reproché un de mes fils à Orléans. Il me dit, papa, je vous ai relaté même l'histoire. Oh papa, tu as mon mado, que nous avons la vérité. Mon allant lui a fait, quand mes os ont été, mes autres beaux, t'as pas d'autre déclaré-moi. Ah, Nabi Obalié, oh non. Vous savez, bien aimé, il y a un monde qui m'a commis de nous. Si tu ne sais pas, maman, l'aide, il faut que les mains ne soient pas couvrir, bien aimé, boni. Si on m'arrête de s'amener en juin, moi, je suis en juin. C'est que beaucoup de gens sont là. C'est bête, ça. Soyons posés. Dis à ton voisin, sois posé. Oh, beaucoup le batté. Open les yeux à la monnaie. Le bas soit posé. Tramouni à le bas soit posé. Moi, je vais déclarer, mais moi, je vais me dire. Pour aller à la volonté, je vais me dire. Moi, je vais me dire, je vais me dire, je vais me dire, Yannicka! Moi, je vais me dire, je vais me traumatiser. Je vais me dire, je normal. Bon, là, pour moi, la zone embellie. La zone m'a télécolé pour ma maman. Yannick, tu veux faire quoi? C'est dangereux. Ah, c'est vrai. Tu sais quel esprit qu'il y a, Yannick? Oh, vous connaissez Damien la malédiction. Merci. Faites attention. Faites des enfants comme vous voulez. Mais tout enfant n'est pas un élu. Penny n'avait fait des enfants. Anne n'avait fait que un. Mais Ningisa Mokili. Mais il y a Penny, la Bible est en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Vous posez la question. Pourquoi il y a des gens qui sont en train de se faire? Mais ils ne sont pas en train de se faire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Si vous avez un combat avec Penny, vous avez un dessin aussi. Mais si on a tourné, on va Samuel! Poum, 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 poum. Nous avons dit, à moins que nous avons dit, mais nous avons dit, comme on a dit, ma prénom. Est-ce que vous imaginez? Oh, l'aigle. Il dit, il prend soin. Il veille. Bien aimé, laisse-moi veiller sur vous. C'est le rôle de l'aigle. Parce que c'est lui qui a l'expérience de ce qui se passe dans le monde animal qu'il connaît. Oh oh, vous êtes là. Amen. Quand je frappe, j'avais dit cette année, je frappe, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le bas mène? Alors, l'aigle aussi a une particularité, c'est ses ongles. Les griffes, hein? Je dis les ongles pour t'aider à comprendre. Chez les oiseaux, on dit les griffes. Vous comprenez? Alors, on dit les ongles. Ses ongles sont tellement durs, bien-aimés. Très durs. Quand il vient, il fait ça, il rentre ça directement en toi. Et puis, pose-toi la question, il vient avec une vitesse plus de 300 km par heure. Il te prend. Et quand il fait du coup comme ça, ça entre en toi. Et il te récupère, il part avec toi. Ce que j'aime, l'aigle n'aime pas faire son combat dans un territoire étranger. Il monte plus en haut avec l'animal. Il sait que déjà en haut, l'animal ne pourra pas se défendre. C'est le territoire de l'aigle. Bien-aimé, ne te livre pas dans beaucoup de combats si tu n'es pas dans la présence de ton père. Sois d'abord dans la présence de ton Dieu. Ne t'engage pas d'autres choses ou des griffes, disons. Oh, les griffes, c'est quoi? Les griffes, ce sont des armes spirituelles que chacun de nous doit avoir. Mais bien-aimé, parmi les armes, nous sommes des livres d'Éphésiens chapitre 6. La Bible dit quoi? Nous devons avoir la vie des prières. Bien-aimé, tu ne pries pas
Après, tu dis, Dieu connaît quoi? Toi, tu es un moineau. Dieu connaît celui qui monte à sa hauteur. Toi, tu as déjà vu Dieu dire qu'il est un moineau. Il n'a jamais dit ça. Regarde les prières que tu fais aujourd'hui, bien-aimé. Toi qui venais dans les veillées. Toi qui avais une responsabilité ici. Bien-aimé, comment l'église au monde est toujours relaxée? Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir relaxé aux choses de Dieu. Et bien-aimé, quel genre de prière tu fais? Tu sais, quand je veille sur toi, ça te rappelle au moins, tu dois prier. Les autres, ma prière, les a rendus. Ma prière, ma récitation, il y a ma psaume, comment ça? Nous sommes dans nos moutabimes, c'est la vérité. Ma Bible est côté la son église. Moi, quand je une récitation psaume, oh l'Éternel, tu as combattu les ennemis. Comment ça, c'est la prière de quelqu'un. Quand on te demande la prière, c'est quoi? La prière, qui peut me donner la définition même courte de la prière? La prière, c'est quoi? C'est dialoguer. Bien aimé, quand je prends une récitation de quelque chose, je parle avec toi. Est-ce que je dialogue? Non. C'est bête, les chrétiens. Un passé de donne comme ça pour le salango. Déjà, même parce que la personne tourne plus avant le dialogue. Bon dialogue, il peut signer un chapitre dans la récité de Néhémie. Vous ne comprenez pas? Dans un dialogue, j'exprime ce que je ressens et ce que je sens en moi. Je te dis ce que j'ai. Mais quand je prends quelque chose, je n'ai pas une voiture, je n'ai pas une. Oh, l'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je retourne à faire le camion. Non, tout là où le cambou, ni. Non, comprends-le. Je n'ai créé aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassure. Il ouvre d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il me fait reposer dans les verts, quoi? Par tirage. Il dirige mes pas. Même quand j'ai mal de la vallée. Trop de bolingo. Ah mon Dieu. Il y a trop d'amour à la tête. L'ombre de la mort, l'ombre de l'amour. Non, l'ombre de l'amour. Oh, l'amour. Donc l'ombre, il y a bolingo, il y a tiré à la catéglise. À moi, l'ombre de l'amour. Ah mon fils. Bolingo, il y a un c'est le beau, comme on a un partout. L'ombre de l'amour. C'est la vérité. Bon, on a pour cette église. On l'a mis l'homme de la mort pour bonguiser ma mort. Ah ouais, ni. Ah, ça y est, on vit les portes de quoi. Aucun amour pour bonguiser. Qui t'a sorcellé à ce niveau? Il y aura un bon immortel, frère. Nous faisons ça le sport spirituel. Et on coupe à ma bon. Ou comment le bâtiment verset biblique, oh, quand je bats dans la vallée de l'ombre de l'amour. Après, il dit, je ne crée quoi? Quel mal, que moi ça l'ai eu toi. Ce n'est pas vrai ça. Bien aimé, mais comment dialoguer avec quelqu'un avec ça? Même moi, je te poserai la question, tu veux me dire hein, quoi? C'est ce qui beaucoup prie. Bien aimé, Dieu se pose des questions, ils disent quoi? Dis-tu ce que tu ressens dans ton. Qui peut me donner le nom de Dieu? Qui peut me donner le nom de Dieu? Adonai. Qui? Adonai. C'est une erreur aussi, on fait des fois. Je peux citer Adonai et tout ça, mais toi-même est aussi le nom à donner à ton Dieu. Amen. Tous ces noms-là, ce sont des qualificatifs. Ce n'est pas le nom de Dieu. Vous comprenez ce que je vous explique? Amen. Ce ne sont pas les noms de Dieu. Ce sont des qualificatifs. Que quelqu'un, quand Dieu se manifeste à lui, il qualifie Dieu par rapport à la visitation de Dieu. Amen. Ce n'est pas le nom de Dieu. Ce qu'ils nous ont enseigné avant, tu n'es pas seulement le Seigneur. Nous tous, on a été enseignés par d'autres personnes comme ça. Mais quand nous avons pris les ailes en plus de 2 mètres maintenant, je suis monté auprès du soleil. Le soleil m'a fait comprendre, ouvre les yeux, papy. Trouve un nom que toi-même tu peux me donner aussi selon ma visitation à toi. J'ai des noms que j'appelle Dieu quand je prie. Je dis, tu es le goût de vivre pour moi, les secrets de mon avenir. Je ne les appelle pas des qualificatifs comme ça. Parce que pourquoi? Il m'a donné encore le goût de vivre encore pour des enfants.
Et le secret de mon avenir, parce que c'est que tout ce que les gens peuvent comploter, ils ne pourront jamais accéder dans les secrets que Dieu a pour moi. Je l'appelle par la révélation. Et les griffes, ce sont des armes, bien-aimés. À part la prière, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que, bien-aimés, connaissons la parole, bien-aimés. Qui peut me donner un chapitre qu'il aime beaucoup? Ton chapitre préféré. Ça veut dire quoi? Lève-toi un peu, dis-nous comment ça dit. L'éternel, je fais mon compte, mais là, je vais accepter. Oui, tu vas et tout ça. Oui, qui d'autre qui a tout son chapitre? Oui, Olivier. Lève-toi. Tu dis quoi? Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu a résisté des mots qui sera sauvé. Oui, ça c'est ton verset. Qui a encore son verset ici? Oui? Oui, Guélaure, c'est quoi ton verset? Alors, Loba, lève-toi. Luc 9, 37. Écoutez le verset de Guélaure. Tu veux la parler ça? Frère Vanda. On peut si on soit multiple, vrai. Oui, Evelyne, lève-toi un peu. Dis-moi ton verset d'amour. Maman, même pour te lever, il faut avoir un talon. Oui. Tu vois comment tout le monde là. Assieds-toi. Elle est intéressante. Tu as bougé tout le monde. C'est intéressant, en tout cas. Tu as fait rire toute l'église, ma soeur. Donc, elle a choisi le côté le plus pété. Et elle est aux écartes. Waouh, Élisée, l'accent copine là, il y a un son. Élisée, c'est quoi ton verset d'amour? Bilo, madame, psaume. Lève-toi un peu, dis-nous, ça dit quoi? Telle madame. Oui, tellement au bas en hauteur. Tu as peur de qui? De Dina? On va passer à un peu. Vas-y. Psaume 80, combien? 11. Oui, ça dit quoi pour toi? Robert, tu n'auras pas bête. Oui, c'est je tiens. Vous en avez que ce nom, Lina? Rien. Oui, Lydie? Jean 3, 16. Lève-toi, dis-nous. Non, on va faire de notre mieux, n'est pas rigoler alors. On y va. Lève-toi. Moi, j'aime bien le psaume 23. Oui, église, ma psaume. Je ne savais pas dans cette église, j'ai des batabis, ma belle. Pourquoi? J'aime bien. Oui, la fille. T'as quoi? Psaume 110. C'est bon, j'arrête. Parce que sinon, l'obito, comme bim. Bim, parce que ça commence à chauffer ici. Écoutez, bien-aimé. À part la prière, la parole, oui, vous avez vos versets que vous aimez, mais ce n'est pas ces versets qui font la Bible. Amen. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Est-ce pour faire quoi? Pour enseigner d'abord, convaincre, corriger. C'est que ne cherche pas simplement un verset qui te jouit, il faut trouver même des versets qui te corrigent. Vous aimez les versets qui vous plaisent. C'est ainsi que tu mourras si tu pêches. Hey, non, c'est pas ça. Vous êtes là, vous êtes déjà qui lisent la Bible de Farobza. Alors, fous-moi les Bibles. Donne-moi ta Bible. Je vous dis des choses que j'ai fait aussi dans ma vie. Hein. J'ai été comme vous. Moi, j'avais l'habitude, quand je vais dormir, j'ai dit, Seigneur, parlez-moi. Je vais écouter ta voix. C'est vrai. Ça, c'est Satan. Je cherche là où je peux tomber bien. Quand je prends le titre, oh, c'était être bête. Je voulais pousser Dieu, me dire ce que je veux. Beaucoup le font ici. Si tu ne le fais pas comme ça, mais tu le fais dans ton cœur.
On te dit, ne fais pas ça. Au moins-même, je vais prier pour que Dieu me parle. Parce que tu veux pousser Dieu à dire ce que ton cœur veut. Et tu ne veux pas écouter ce que Dieu veut. Quelqu'un attend ce que je dis. Amen. La parole. On a dit encore quoi? Les zèles de l'évangile. Bien-aimé, tu n'es plus zélé aux choses de Dieu. Regarde, tu viens à l'église quand tu veux. Tu viens quand tu veux et tu viens à l'heure que tu veux. Mais quand on te dit, va faire ceci, tu es première à partir. Raccompagne-moi. Bien-aimé, tu as l'air de raccompagner les gens. Après, toi-même, tu es même pressé. Tu as bien sûr qu'on pourra bien écouter mon souci. Mais tu n'as jamais été pressé à venir comme ça à l'église. Tu n'as pas les ailes, même pour prêcher les choses de Dieu. Tu ne parles pas de Dieu dans ton environnement. Vous parlez que d'autres choses. Songi, songi, ne le gonna liboso. Ma mi, ma ba linge si la. Ma te anenge na fiakoli. Azo linga ake na ba o na mone zagi bo na ba beta ki yo. Ou te mané pressa ki no loba. Bien aimé, quelqu'un comme moi, je t'empêche pas, va. Parce que tu rajoutes le nombre de péchés dans ton cœur. Et dans ta vie. De rapporter n'importe quoi. Est-ce que toi, tu sais comment moi je parlais de celle-là ou de celui-là? C'est que toi-même, tu pensais mal contre la personne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que moi, je n'ai pas cité le nom de quelqu'un ici. Si toi, tu vas dehors, tu dis à la personne, ça, on avait dit sur toi. Mais les gens sont bêtes devant vous qui suivez. Dis à la personne, c'est que c'est toi qui pensais mal sur moi. Comment tu sais que c'était moi? C'est que toi, tu penses que moi, je suis comme ça. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a aussi quoi, bien-aimé? La foi comme bouclier. Les griffes, c'est la foi aussi, bien-aimé. Ayons la foi pour ne pas perdre. J'aime Romains, Hébreux chapitre 10, le verset, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour être quoi? Sauvés. Yo, Bible, même Bible, nous avons dit, nous avons dit, quoi? Tokozonga, Boniko, nous sommes amis pour ça. Yo, Zaki, l'aime sous protocole. Les lots, le protocole. Aux autres, c'est la peine ensemble, la grande âme. Mais c'est très bête. Même vos chansons vous acquisent. Le jour du jugement, vous allez vous tourner. Avec Dieu, on ne recule pas. Vous savez, je vais toujours avant. Jamais. Bien aimé, pose-toi la question. Quel Dieu vous servait? Vous n'avez pas de griffes. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas les choses. Au moment où on peut ça communiquer, même communiquer. Aux ongles en avant, au commentaire. On a mis tout dans les amis. Qui t'a dit? Mais ce n'est pas toi qui choisis le poste de servir Dieu. C'est Dieu qui place quelqu'un. Amen. Oh, toutefois, je sers Dieu. Et toi, tu te recules, tu recules, tu rentres à la maison. Oh, mi colonne, vanina, na zoatan. Yo, zoatan, yo, zoatan, yo. Le maître de temps des circonstances, c'est qui? C'est quoi, yo, tan, yo, wano, yo, tu vois? C'est si bon, ça va prier fatigué. Peut-être prier au colo. Colo. Oh mon néné, oh mon néné, oh, ah, Colo, Colo, malgré que je suis fatigué, échafaudage, mais j'ai pris, ah, Colo, Colo, ah, demain, comme je ne travaille pas, Seigneur, je te promets, je vais faire un jeûne. Tu promets à Dieu que demain, c'est à toi? Toi, tu promets à Dieu que demain? Mais la Bible dit, le lendemain ne t'appartient pas. Comment tu peux promettre quelqu'un quelque chose qui n'est pas à toi? Voleur. Vous ne comprenez pas les chrétiens primaires. Beaucoup voient une église à prier à Malongé, j'ai été. Ousawala. Maintenant, je dors bien. Tu crois que tu dors bien? Tu te trompes. Une bonne prière, c'est dans la présence de Dieu. Il y a un bon sommeil. La Bible dit que Dieu vous donnera un sommeil doux. Comme un sommeil qu'on donne aux bébés. Le livre du Proverbe. C'est Dieu qui donne un bon sommeil. Il y a aux là, là, aux là, là. N'a rêvé, écoutez, double aux ébatté. Vous êtes ici, bien-aimé. Force ici, là. Même n'a rêvé. Cinq minutes. 2 minutes, 3 minutes, après ce tout babou, 11 heures. Hé, 11 heures. Vous vous réveillez par le réveil. Moi, demandez chez moi, vous vous dites, j'aime même pas le réveil parce que ça m'énerve. Moi, quand je dis je me réveille à telle heure, demandez chez moi, vous dire. Si je dis je me réveille à minuit,
au moins une minute pour la mouki. Même soit 20 minutes dans la mouki. Même là, ils sont gonflés. Parce que mon esprit est musclé pour les choses que j'ai fait. Il aurait fait écouter la mousson, mais t'es équipé. Au téléphone, 5 minutes. 12 minutes. Au bisso réveille la mousson, on pousse à arrêter. Un mot à ressonner au yokete. Victime aux assicobans. Bon, mon hyper à l'aile, bon, la mousson, on va sonner. Bon, on va faire la gaffe pour la réveille. Bien aimé, les griffes. Casque du ça pour protéger tes pensées. Et maintenant, je finis par le bec. La vision, je n'ai même pas parlé. Ce n'est pas grave. J'ai déjà parlé de ça une fois ici. OK? Laisse-moi parler du bec. Mais prenez Exode 19, verset 4. Notez ça. Quelqu'un peut prendre ça. Exode 19, verset 4. Vous allez entendre quelque chose ici. Mais d'abord, je parle du bec. Suivez, pendant qu'on trouve le verset, suivez le bec. Le bec de l'aigle est aussi si dur comme aussi ses griffes. Il enlève aussi son bec pour renouveler son bec. C'est qu'il renouvelle quoi? La force. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent quoi? Leur force. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Vous comprenez cela? Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur quoi? Force. Bien aimé, toi tu renouvelles ta force où? Donnez-moi un amen, non? Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Oui, bien aimé, donnez-moi un amen. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent. Bien aimé, si nous autres, on est toujours dans la force de servir Dieu, hein, Brian? Beaucoup d'années, toi c'est même des petites années, tu es craqué. J'ai commencé à servir Dieu tout enfant. J'allais. Je fais, demande même à Pasteur David, je fais mes examens de temps, mais je dors des fois dans la retraite. Mais je garde toujours la même énergie. Parce que j'ai compris, la personne qui renouvelle notre force, c'est notre Dieu. Bien-aimé. Je vis des enfants, des personnes dans 5 ans fatiguées, mais quelqu'un de 60 ans est en forme encore. Je vois ça même à l'église France pour Christ. Maman Christine, des fois elle est en forme par rapport aux jeunes sœurs qui sont à l'église. Quand vous voyez cette maman, son visage est rien de plus que le visage que je vois ici. D'autres visages ici, je peux penser à maman Kouta, à maman Christine. Et cette maman, elle a plus de 60 ans. Elle est très belle. C'est la belle-mère de cette femme qui est ici. Elle est très belle. Plus de 65 ans au-delà de ça. Mais regarde la taille. Ah, Bonico. C'est l'Éternel qui renouvelle la force d'une personne. J'ai servi mon Dieu. J'étais écolier. J'évangélisais. Sur mes épaules, je portais même les serres. Imaginez les serres. S'écarter les jambes, tu les mets ici. Je lui faisais traverser la rivière Kalam. Quand il y avait la pluie, vous savez comment ça faisait. Vous savez les ponts qu'on mettait à Kalam, vous savez, ma voiture, sur le salé Kengo, continue la douce au Boukani. Et j'étais obligé à côté de ma maille. Comme Ngamnaomi, ma bonne appelée Moulaï. Des fois, maïs souké l'anga, des fois. Ah. Mais j'imaginais ce que ma dame, c'est soit à côté de ma mélite. Je suis obligé de les porter. Il y a retraversé Bango. Mais je partirai aussi à l'école. Et je vais étudier, bien aimé. Parce que je me confie à Dieu. Et quand je vous vois négliger Dieu à cause d'un travail bien-aimé, aux yeux moussala, au comment peut sa raison à quoi y a-t-il pour n'arrêter. Aux yeux moussala, 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 aux yeux bien-aimé, mbongwela l'oni, que la vie que Dieu te donne. Nous avons servi Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours cette flamme de feu. Aux yeux nanga Evelyne. Ma flamme de feu ne dépend pas du visage de tel et tel, de ma relation d'amour avec Dieu. C'est Dieu, je sais qu'est-ce qu'il a fait de moi et qu'est-ce qu'il pense faire aussi pour moi. Je sais, déjà sa mort sur la croix,
a été une expression d'amour très, très, très puissante pour moi. Et je fais toujours revivre, bien aimé, la flamme de feu chez moi. Ce n'est pas parce que j'ai mes examens, je néglige Dieu, ou je ne ferai pas cette activité, je ne viendrai pas à la veillée. Bien aimé, des fois tu étudies, même tu dors. La veille, là, les gens prient, mais toi, tu n'as même pas étudié à ce moment, tu dormais. Tu pouvais venir dire quelque chose à ton Dieu. Une veillée, des fois, tu dors même tard. Vous qui regardez des séries, tu restes devant le Netflix, tout ça. Tu regardes 3 heures et quelques, mais demain, tu pars à l'école. Mais pour venir prier, le diable te dit non, tu as les examens. Vous n'avez pas encore le feu. Il renouvelle notre force. Ce qui se confie à l'Éternel. Je ne te vais pas. Je ne te dis pas de ne pas faire ce que tu veux, mais je te préviens, au moins Dieu t'a dit, un jour, tu passeras au jugement. Ton ingratitude à Dieu. Et vous qui suivez. Aux moi HLM au commissaire. Bola la botella, bola maman, bola ni kopriyenza memi. Mais sauf aux yeux, ndako, bokoma le fond. Ndako HLM, boniko, aucun fardeau peut se le partir. Il y a deux fois des choses qu'on abandonne, bien aimé. Osu, moi, bicoque. Ce n'est même pas une baraque. C'est une bicoque, bien-aimé. Oui, on est erré chez soi. Mais, soyons quand même reconnaissants envers Dieu. Renouvelons notre force. Moi, Bolingo. Moi, comment tu équilibres, moi, c'est moule, comment tu es le boum. Mais écoutez, bien-aimé, nous avons servi Dieu. Moi, je dormais avec ma femme à la maison par terre que tu as dans le ventre. Mais je servais Dieu avec amour. Je travaillais la nuit avec les papiers de qui? Comment il s'appelait? Claude. Je travaille la nuit, ma femme reste dormie par terre, le ventre que tu as à l'intérieur. Je viens, on partira à l'église. Même quand je dormais dehors à Orléans, demande. L'église des Sylvains vont te dire, je dors dehors, mais le samedi, je suis là, j'enseigne les gens. Le dimanche, je viens, je prêche, je reçois les gens. Je finis, je retourne dormir à la gare ou au parc. Je motive, bien aimé, la flamme d'amour de Dieu. Il renouvelle ma force. Bino, car moi, les pamboli moukie. Moi, lié à la chance d'Élysée comme ça vous. Là où la fouquette. La fouquette, c'est quoi, bien-aimé? Nga na lia malewa, na lia chemin court, hein? Chemin court. Na op traversé. Ligne 11. Na op beta, on kan zilanzila la. Na zo leka. Mais na oké te, na sosimat na gome, na oti ouba na ngaba makolo. Et pas oké mer na nga. Je traverse. Na yi na tei. Na yambi pe soubatu. Na silisi. Peu importe, ceux qui me voient, moi quand je reçois quelqu'un, même si je ne mangerai pas, ça ne me dérange pas. Je dispose mon temps pour faire ce qui est de Dieu. Vous êtes toujours pressé. Bon, la poste de l'église m'aura pris ça aux Zonga. Mais moi, quand je fais quelque chose de Dieu, même quand je suis en gêne, tu viens me parler. Nako yo kope na lobelo na kimia au fond na lobelo. Na lobatel lobane vite, vite abima. Non. Parce que je sais, Dieu a donné son temps. De crier sur la croix, de faire couler son sang. Il n'a pas fui la croix, il était dit qu'il pouvait disparaître. Il n'a pas voulu choisir l'option de disparaître pour me sauver. Et moi, je le ferai avec la flamme. Renouvelle ta force. Confie-toi à Dieu, bien-aimé. Sont des véritables aigles. Pas les gens qui viennent remplir les chaînes des églises. Et bien-aimé, les gens qui cherchent les noms des pasteurs dans les Facebook, dans les Internet. Pas les gens qui deviennent des amis. Si on a bien que si pasteur, beaucoup mieux qu'on en a l'année à Sima. Vous êtes venus pour des relations, vous êtes venus pour des mariages, vous êtes venus pour autre chose. Mais bien aimé, il y a de ceux-là qui viennent ici pour chercher Dieu. Et je vous encourage à retrouver votre force auprès de l'Éternel. Prière, Zakas, au moni bolingo, va nigo beba. Mikwana, prière, belle Seigneur. Et l'autre, tu rebebes sa bolingo. Moi, mon balio, Ezangai, mon lima lia famille. Et boire, batu babala, wando telemi. Ce réseau Simba, wana ne balia famille ici. Alléluia. Amen. Allumez le feu. Vous me suivez, mes enfants? Amen. Je ne vous prêcherai pas les choses que vous voulez. N'attendez jamais ça.
je vous prêcherai ce que Dieu veut pour vous. Comme ça, quand tu rentres, moi, tu sais, on t'a dit des choses, les quatre vérités importantes de la Bible. Pas des choses que tu voulais entendre pour sauter, si, non. Mais les choses que tu dois écouter pour ta vie. Lis-moi ça pour la suite. Verset 4, je lis au nom de Saint-Jésus-Christ. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, la façon dont j'ai porté ces enfants sur mes ailes et je les ai amenés vers qui? Voilà. Merci, fils. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ça, c'est avec ce que je vais vous expliquer. Mais le bec de l'aigle, il enlève pour trouver les forces. Le bec de l'aigle, ça veut dire quoi? Une bouche remplie d'autorité, remplie de puissance et remplie de feu. Bien-aimé, l'aigle, tu n'attendras pas en train de crier tout le temps. L'aigle n'est pas comme la poule ou comme le coq. Bien-aimé, on a des chrétiens coqs ici. Vous parlez trop. Mais quand vous demandez de voler, est-ce qu'une poule vole plus haut? Et regarde les poules quand ils crient. Après, il est censément là. C'est si bien-aimé que tes temps te voient un peu venir, ne te commis au Lininzam, et mora. Parce que tu es, bien-aimé, Yomorozo, Yébinan, regarde l'église de la poule, ou à la coque, ou à la talaï. C'est moi qui ne trouve pas celui qui ne voit pas la télé. Regarde la personne. Regarde les coqs et les poules. Ne soignez pas les relations comme ça. Aigle. Sia! Tu vois comment j'ai fui? Tu m'as choqué. Bien aimé, vous savez, il y a des gens qui ont pensé que Marthe Pêcheur était un aigle aussi. Parce que la forme de Marthe Pêcheur, tu peux passer ce nez. Osa Marthe Pêcheur. Aigle, ou assez à Kiti. Karamugebo, on a papa m'a terminé la chorale. Aigle, aigle à Matali, on a quitté à Boïta, papa à Boli. Yoda, on a sauté à la mouga, on a mouga, on a tu as les chats du coq. Sauf que la. Micro au tiki, sur les papes au Canada, du tout, il faut remarquer les chats du coq. Écoutez, non, bien-aimé. Elisa, c'est un mot pour la télévie, n'a pas de n'a pas de poulot, n'a pas de carrière à Kata. Oyo, Abi, n'a pas de soso, ma soso en télé. Parce que, corps. Et un moment où tu vois Elisa, un moment, aujourd'hui je le viens, à Bunga, à part le Zara papa, n'a pas de rajouter aux arrêtés. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Sera salarote deux fois. Et comment elle est belle. Mais maintenant, je pense que tu seras Madame Aigle, n'est-ce pas? Bien aimé, la parole là que je finis, la Bible dit que Dieu dit, c'est moi qui vous ai porté pour vous amener vers moi sur mes ailes. Ah bon? Dieu dit aux enfants d'Israël que nous, nous savons qu'ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Pour aller à la terre promise, on sait qu'est-ce qu'ils ont fait. De l'Égypte à la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais pas, pas tuer quelqu'un, tout ça. On y va. Ils ont quoi? Mais j'ai entendu quelqu'un parler. Ils ont marché dans le désert. D'accord. Mais écoutez ce verset. La Bible dit que Dieu a dit que moi je vous ai porté dans mes ailes. Mais bien sûr, tout le monde est bon, mais nous avons le but, non? À mes mains qui sont dans ma papounaï. Mais c'est vrai. Et quand on lit ces versets, quand on n'a pas l'œil qui regarde le soleil, vous comprenez cela? On voit noir. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas regarder le soleil. Quand ils regardent, ils verront noir. C'est ce qu'on a des pasteurs, des apôtres bien-aimés. Quand ils cherchent à regarder le soleil, quand ils regardent après, ils voient noir. Mais quand tu as les yeux de l'aigle, tu vois bien.
Effectivement, les enfants disaient ne pas marcher dans le désert. Ils ont été transportés par Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Ils ont marché 40 ans dans le désert, leurs chaussures ne s'usaient point. Suis bien. Bien-aimé, comment marcher avec une paire de chaussures 40 ans, ça est béba. Ses mains les a bien, dans l'œil de la nini, bien. En plus, dans le sable du désert où ils ont chaud. Bien-aimé, va changer sa patte tout est parce que magasin battait avec une déserté. Il grandissait avec leurs chaussures. Est-ce que vous comprenez ça? Comment Mouta Tamboula, Yoga Sapatu no Awa, Tamboula Mikolo, Talon, et l'Ora Serolongo, il bende bini. Batumi, il a comme à Kasia, il a bende se bini. Bien. Il y a 19 euros pesant. Même il y a 12 couteaux. On a créé kakou, kakou. Comprends directement que le talent est abîmé. Mais maintenant, 40 ans. Qui est celui qui a grandi avec sa chaussure de 40 ans jusqu'à aujourd'hui? Personne. C'est par là qu'on a compris. Si les chaussures n'étaient pas usées, c'est que c'est vrai. Ils n'ont pas marché sur terre. Ils ont marché sur les ailes de qui? De Dieu. Parce qu'une chaussure qui marche, mais 40 ans, tellement la chaussure, bébé, c'est que Dieu a raison. Je vous ai porté sur quoi, mes ailes. Bien-aimé, tu veux que les choses n'abîment pas dans ta vie. Tikanzama memayo. Kota mousa vie au moroté. Au bébé sa maram bébé. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, je dis que le Seigneur vous bénisse. On s'agenouille tous. Mais tu es libre si tu veux pas t'agenouiller, reste assis. Mais ceux qui écoutent la voix, je ne veux pas. J'ai dit que cette année, on les commence à genoux. Ceux qui sont avec moi, 7 days, ils remarquent qu'on a décidé cette année, on les commence à genoux pour que Dieu nous élève lui-même. La bonne position pour que Dieu t'élève, il faut descendre comme ça, Dieu prend le dessus. Bien-aimé, déjà, à genoux, moi, je me cause les rhumatismes. Il ne faut pas renouveler les forces, Nabino. Talata. Son. Son. Qu'est-ce qu'il y a? Élisée, il a une ma soeur, il y a une dégonnée fatale. Sois consacré pour toi, Élisée. Et Yovanna, pour la santé. Chut. Agenouille d'abord pour ta vie. C'est mieux. Quand tu es malbossé, je vais entrer. Allez, bien, non, ça. Suivez-moi ici. Ferme tes yeux. Bien-aimé, tu as le droit de répéter cette prière. C'est aussi la décision que tu vas prendre avec Dieu. Et tu ne répètes pas ça dans ton cœur, mais ça vient de ton cœur pour sortir. Parce que la Bible dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient quoi? Au salut. C'est ainsi qu'on va confesser. Père, Père. Très fort, Père, Père. Tu m'as parlé. Et je reviens à toi. Dès le début de cette année, au premier mois de l'année, je me remets entre tes mains. Apprends-moi à savoir voler. Je vais prendre mon envol ensemble avec toi. Amène-moi dans tes ailes. Couvre-moi aussi. Seigneur, fais-moi monter dans les hauteurs. Fais-moi m'approcher du soleil pour trouver ma chaleur. J'ai perdu ma chaleur. Je vais retrouver ma chaleur. Je vais être un aigle. Père, change ma nature. Si j'étais un autre oiseau, mais aujourd'hui, je vais devenir un aigle. Je vais me contacter que de toi. Je vais me cacher dans les sommets de montagnes. Je vais devenir responsable.
Père, donne-moi les griffes de l'aigle, qui sont les armes spirituelles, qui me permettraient à résister contre les manœuvres du diable. Donne-moi les becs de l'aigle. Père, pour que ma bouche dégage de l'autorité, pour que j'abandonne tout ce qui ne loue pas ton nom, pour que je ne confesse que la vraie vérité qui vient de toi. Père, remplis-moi de ton amour. Que ma vie soit celle que toi tu veux et non celle que je veux. Parce que le plan de bonheur, c'est toi le conservateur de cela. C'est toi qui as conçu cela. Ce n'est pas moi. C'est ainsi, fais-moi rentrer dans ton plan. Renouvelle ma force. Renouvelle ma force. Mon premier amour. La force de te servir. La force de t'aimer. De m'approcher de toi. Plus qu'autrefois, Seigneur. Fais-moi rajeunir. Mon amour a vieilli. Mais Seigneur, rajeunis mon amour avec toi. Je suis devenu vieux. Mais je vais rajeunir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Père, apprends-moi à faire des choses par précision. À ne plus accepter de descendre par terre. Seigneur, si je descends, c'est pour prendre ma bénédiction. Et pour retourner dans les sommets. Au nom de Jésus. Restez calme. Seigneur, que toutes sortes de faveurs et de grâces, de bénédictions et de que tu n'as pas encore accordé à une personne, accorde à ses frères et à ses sœurs. Tu as dit que tu nous appelleras d'un nom nouveau, un nom jamais personne l'a déjà parlé. Seigneur, donne un nom nouveau à ma sœur et à mon frère. Qui était maudit devienne une bénédiction. Qui était pécheur qui devienne celui qui craint l'Éternel. Qui était négligent qui devienne sérieux. Dans la décision d'abandonner, mais la décision de persévérer maintenant. Amen. Et qui avait abandonné la vie des prières, qu'il retrouve la vie des prières. Et qui avait perdu la conscience de servir Dieu, de comprendre que servir Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Au nom de Jésus. Je n'ai plus de mots pour formuler des phrases, Jésus. Et je n'ai plus de verbes pour conjuguer les verbes qu'il faut pour placer à une phrase. Mais je demande au Saint-Esprit qui prie jusqu'au soupir inexprimable, de continuer à définir la vie de chacun auprès de toi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que le Seigneur fasse du bien à chacun. Bien-aimé, acclame Jésus.